Les amis, est-ce que vous avez faim? Elle est cool cette musique. Musique de tchatcheur là, c'est quoi ça? Mesdames, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez envie de manger de la viande, des tomates et de la pomme de terre? Est-ce que vous avez envie de manger la nourriture que je vous prépare? Oh, Clairou, bon courage pour le sport. Ok. C'est fou comme je suis avachie quand je... je suis comme ça. Allez. Kebab Simulator. Tac. Allons-y! On va préparer du kebab, messieurs, dames. Salade, tomate, oignon, chef. On va peut-être avoir le petit truc qui tourne et on va pouvoir brosser le truc, là. Aujourd'hui, je suis super contente si on arrive à cet objectif. Kebab Chef Simulator. Attendez, je connecte mon Twitch avant. Fin. Fin? Fin! Salut Shiroyumi Kiwi! Pour le cinquième mois d'abonnement, merci beaucoup. Salut Kuraki! Coucou! Je pensais avoir raté la suite, mais pas du tout. Moi, je discute en début de live pendant une heure environ. Des fois. Hein. Pas tout le temps, mais là, aujourd'hui, j'avais envie de discuter avec vous. On a discuté de moustaches, on a discuté de piraterie, on a discuté de... de pub, également. Les amis, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez! Bienvenue à nouveau sur mon magnifique... attendez, c'est quoi cet overlay de con, là? Voilà, hop, là, ça déjà, c'est fait. Attends. Attendez, hein? Tac. Schlouk, bam, ok. J'ai disparu. Elle est où, la streameuse? Ok. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Faut que je me déplace avec les flèches directionnelles parce que sinon ça marche pas. Parce que c'est en QWERTY et moi je sais pas comment faire en QWERTY. Ok. Bienvenue à vous sur ce magnifique jeu. Si vous n'avez pas été là durant le dernier stream sur ce jeu, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue dans mon pipou kebab. Alors, ce jeu exceptionnel nous propose différents plats auxquels vous pourrez adhérer si vous le souhaitez. Oh, mais c'est dégueu, j'ai tout laissé en bazar à... Oh non! Oh non, c'est dégueu là! Oh, ça me dégoûte! C'est dégueu là! Oh, il y a du bazar partout, on allume la lumière. Voilà, comme ça on voit quelque chose, merci. Ok. Donc on va devoir faire un petit peu de ménage avant de commencer à vraiment jouer au jeu. Mais vous inquiétez pas, on va optimiser tout ça, d'accord? Nous sommes level 11 et on va pouvoir. On va pouvoir. C'est quoi la phrase? On va pouvoir embaucher un larbin, ça c'est The Dream. Lounès! Oh! Le niveau 2. Le niveau 2 de Lounès. Oh mais c'est The Dream le niveau 2. L'abonnement niveau 1. L'abonnement de niveau 2. Merci beaucoup. J'espère que tout va bien. Merci pour le deuxième mois, c'est très gentil. Ok. On lave le sol avec notre éponge, super. Voilà, et pour ceux qui n'auraient jamais... Mais... Voilà. Pour ceux qui sont nouveaux dans le quartier, donc bienvenue à vous, déjà, voilà, premièrement. Ensuite, je vais vous faire visiter un petit peu la ville, histoire que vous sachiez où est-ce qu'on en est. Donc ça, c'est mon magnifique pipou kebab. Pourquoi pipou? Parce que c'est mignon, c'est rose, c'est coloré, c'est agréable, on a envie de rentrer, on a envie de se poser, c'est mignon. Ici, il y a le boucher, voilà, les animaux, tout ça. Ici, nous avons le magasin de légumes et de fruits. Avec un mec qui ressemble à Nostal.
ou Pocheka d'ailleurs, ça marche aussi. Voilà, là il y a la banque. Là il y a notre futur restaurant. Moi j'ai hâte de pouvoir l'acheter celui-là parce que ça va être très stylé. Donc ce sera à 50 000 dollars. Au-dessus à droite, vous avez le budget que j'ai actuellement, 7 900 de thunes. C'est énorme. Et là, vous avez le supermarché classique où est-ce qu'il y a plein de choses, du lait, du beurre, des épices, des couteaux, tout plein de trucs. Voilà! Bienvenue à vous! Et l'objectif aujourd'hui est de recruter un larbin qui va faire le ménage à notre place et de vous accueillir à nouveau pour vous faire à manger plusieurs fois d'affilée, d'accord? Et de vous accueillir et de faire trois plats différents, sinon c'est pas marrant. Et je crois que je vais copier au Nutrem, parce que j'ai vu une partie qu'il avait fait et il a mis ces trucs là devant et c'est trop malin. Parce que comme ça t'as pas besoin de trop aller super loin pour servir tes clients, donc c'est franchement très smart. Donc je vais sans doute faire ça. Voilà, très petit quartier. Ouais très petit mais c'est très peuplé. Et ça c'est le plus important. Alors là il faut qu'on fasse la vaisselle. Ok. Tac. Hop. On prend les assiettes. Parce que les gens sont crades. Les gens laissent leurs assiettes sales sur la table. Les gens laissent leurs assiettes sales. En espérant que je vais les laver. Et ça va être le cas. C'est parti pour wash. Hop. Et après on range ça dans le truc à assiette. Et on sera bon normalement. Pour recommencer une belle journée. Putain il faut qu'on se remette dedans là. Je suis pas dedans là. Hop. Déjà, on va recruter un larbin. C'est le premier truc qu'on va faire, je pense. Essayer de voir comment ça fonctionne. Tu acceptes les conseils? Bof. Si t'es un travailleur du jeu, bof, bof, bof. Ça dépend quel type de conseil, mais si c'est genre... Ah, faudra vraiment que tu fasses comme ça. Il est fermé ton resto là, parce que sinon il marche pas du fou. Bah, en même temps, je vais pas accueillir des clients si j'ai pas fait à manger. Tu veux qu'ils mangent quoi, là? Des assiettes sales? Attends, on n'est pas McDo ici. Ouvert 24h sur 24 là. Non, non, non. Hein. Ah non. C'est pas un fast-food ici, c'est un restaurant de grande qualité qui propose de la viande la plus qualitative du marché. Entre parenthèses, il n'y a qu'un seul boucher. J'ai pas trop le choix. Mais ça pourrait être un truc qui rentre en compte, je trouve, un truc moins cher. Mais du coup, c'est un peu dégueu ou un truc plus cher, tu vois. Ce sera stylé. C'est la mise en place, exactement. C'est trop important, la mise en place. Donc là, on est en train de laver la dernière assiette, messieurs, dames. Hop, bam. Voilà. Super. Ok, je suis ravie. Ok, donc là, moi, j'ai mis un petit truc juste ici pour que les gens puissent boire. Je vais passer en mode edit. On va move ce truc. On va le mettre du coup ici. Ou alors genre là quoi. Ah c'est pas si mal ici. Tac. Et toi, hop, viens par ici mon petit coco. Mon petit coco, hein, mon petit coco. Oh! Elle était donc là, cette foutue assiette. Je me demandais où elle était. Putain, je peux pas décorer dehors. Ok, on va décorer ici alors. Hop. Une assiette dans le mur. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Il y a une assiette dans le mur. Elle est tombée derrière le mur, d'accord. Ah, pourtant, il y a toutes les assiettes. Mais qu'est-ce qu'elle fait là alors, celle-là? Qu'est-ce donc que ça? D'où est-ce qu'elle sort, cette assiette? Un problème dans la matrice. Très cher, très bon, mais pas très cher, pas très bon, tu veux dire? Oui. En gros, ce serait bien qu'il y ait différents prix disponibles à la boucherie, que ce soit de la mauvaise qualité quand c'est pas cher et de la bonne qualité de ouf quand c'est un peu plus cher, tu vois. Là, on n'a pas le choix, à chaque fois, la viande c'est 200 ou 150, ça dépend du morceau que tu prends, mais du coup, on n'a pas trop le choix. Donc, j'avais préparé, donc ça c'est cuit visiblement, mais bon, ça va pas très être bon, donc je pense que je vais le jeter malheureusement. Voilà. Strawberry slice. Hop. Ça, on a ça de près. Ça peut être pas mal pour faire le kebab, franchement. Hop. Écoutez, je pense que j'ai envie de vous accueillir, les amis.
Attends, il faut que je me remette dedans du coup là. J'ai complètement oublié alors. Warehouse. J'ai des nouvelles choses visiblement. Comme je suis devenue riche, on me propose beaucoup plus de choses qu'avant, comme par hasard. Comme par hasard la richesse, hein? Hop. On va recruter un staff. Moi, c'est ça qui va être clutch. Alors, qui c'est? Qui est-ce qu'on recrute? Je crois qu'on n'a pas le choix, les amis. Ce sera soit Nathalie, soit Arnold. Cleaning, wash dishes, waiter. Cleaning, wash dishes, waiter. Waiter. Oui, un larbin. C'est un jeu compatible avec Twitch, oui, tout à fait. Vous pouvez venir manger dans mon restaurant avec votre pseudonyme qui vient se délecter de la brochette de viande. 250 pièces la journée? Tu veux bien venir travailler dans ton resto? Mais viens avec plaisir. Salut, je suis May. Bon, pique-nique douille, c'est toi l'andouille au bout de 3. 1, 2, 3. Voilà, ce sera Arnold. Super. Weather, wash dishes, cleaning. J'ai envie de tout faire, moi. Weather, c'est quoi Weather? C'est genre, il sert les plats? Ah. Bon, il peut tout faire en même temps. Attends, eh oh. Oh. Mais monsieur, vous êtes dans mon restaurant. Bonjour. Mais enfin. Que faites-vous dans cette table? Monsieur, vous avez pas mal à la jambe, là? Qu'est-ce qui se passe? Enfin. Mais enfin, monsieur! Mais enfin! Ok, bon. Alors, on va choisir le menu que vous allez pouvoir manger aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose que je vais décider avec moi et moi seule. Je vais faire des trucs efficaces, simples et chers. Oh! 302. Simple kebab. C'est assez parfait, ça. Grilled beef. On va mettre du grilled beef. On va mettre du chicken breast. Et ce sera déjà très bien, d'accord? Trois plats. Mais pas un de plus, parce qu'après, ça coûte trop cher, malheureusement, hein. Hein, vous comprenez? Comprenez bien. Ok, donc on va devoir aller faire les courses pour tout ce que j'ai mis. Oh, c'est quoi ça? 3000. Tea stand. Oh, il peut prendre du thé. Et des bubblegum. Je ferai ça quand j'aurai plus d'argent. Là, pour l'instant, je veux bien attendre d'économiser. Oh, mais ça, là, hein. Franchement, allez. Ok, donc, nous avons trois petits plats que nous allons faire. Donc, vous pourrez manger un kebab, vous pourrez manger du grilled beef et du chicken breast. Je vais faire la liste de ce dont j'ai besoin. Je peux pas avoir une liste de courses, genre, de ce que je dois prendre. Plate. Black pepper, salt. Et bien, slice. Non, mais ça, je crois que je connais. Hein. Tomato et deux trucs de... Pourquoi c'est si long? Ok, ça, celui-là, franchement, je connais. Je l'ai fait des millions de fois. Merci Yaya, 440 pour le prime. Merci beaucoup. Alors, red pepper, green pepper, potato. Donc ça c'est le chicken breast, je crois. Slice potato, red pepper, green pepper, potato. D'accord. Putain, mais c'est tellement long, what the fuck. D'accord, et le simple kebab, square, kebab, mixing bowl, garlic, green pepper, d'accord. Donc on doit aller acheter. Donc je vais voir ce que j'ai et ce que je n'ai plus. Donc, franchement, red pepper, green pepper, je crois qu'on a ce qu'il faut. Hein. Garlic, on n'en a qu'un seul, on va reprendre du garlic, même si là il y en a un, c'est pas suffisant. On va pas faire de la soupe aujourd'hui, donc le milk et le beurre, on s'en fout. Ça c'est pour du coup, il nous faut ça. Chicken breast, il y en a deux. Kebab slice, il y en a trois, mais on a ça de kebab. Donc pour l'instant, franchement, c'est ok. Je pense qu'on peut commencer comme ça. Les potatoes.
On va peut-être racheter du green pepper. Ouais, du green pepper. Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a deux recettes où il y a du green pepper. On va racheter du green et du rouge, hein. Comme ça on est sûr. Oh, regardez comment ils sont trop mignons devant mon resto. Mais ouais, je sais, c'est tellement bon que vous attendez. Avant de venir acheter, justement. Quand tu lèves la tablette pour scroll, c'est un peu plus rapide, il me semble. Ah, c'est pour ça, oui, t'as raison. Red pepper, parsley, je crois que j'en avais racheté, mais c'est pas grave. Green pepper, on va en prendre 5. Garlic, on en prend 2. Potato, on en prend aussi. Hop, ça coûte que 51, c'est ok. Hein. Ok. Nickel, qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Qu'est-ce qui pourrait nous manquer? Je vais regarder au niveau des épices, est-ce qu'on est bon ou pas, parce que c'est vrai que salt et black pepper, je les ai jamais changés. Alors que je les utilise, hein. Je peux vous dire que je les utilise. Ah non, ça va, ok. Il nous reste 30. 30 grammes, 60 grammes, c'est ok. Donc moi je... Ah, je peux pas le foutre par terre. Oh, the dream. Donc, le petit raid, on va les sortir, on va les mettre à côté. Tac. Là, les petits parsley, on les met juste ici. Les greens. On va les ranger comme ça. J'adore parce que, imagine... Imaginez, hein, le restaurant étoilé de Philippe Etchebest. Qui range ses légumes comme ça dans son frigo. Ça m'étonnerait pas en fait. Tellement c'est bien rangé. Ok, bon. Nickel. Je vais préparer les skewers. Ça c'est pour vos petits kebabs, messieurs dames. Figurez-vous. C'est pour vos petits kebabs. Ah pardon. J'en ai peut-être pas assez, hein. Moi ouais, je pourrais en faire que 4. Peut-être en faire un deuxième de bol là. Ah ouais, chaud. Chaud, 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 chaud. Chaud, 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 chocolat. Ok, donc nous avons du poulet. Je dois me souvenir des recettes, là, ça va être The Non-Dream. Hein. Oh là là. Attends. Parce que du coup, simple bagabab, il y a garlic, green pepper. D'accord. Et je pense qu'on va les mettre tous en landognon. En landognon. Comme ça va cuire plus facilement là. Tu vois, genre on prend ça, puis on les fout dessus là, voilà. Ça là, moi je te prépare des petits accompagnements. Tac, ça c'est pour le kebab. Floup. Ouais, il me faudrait un deuxième frigo de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ok, donc là j'ai préparé le kebab. Donc en vrai, si les gens ils réclament 4 plats, là je suis prête. Je suis prête de ouf. Garlic, j'en ai encore un, donc en vrai, je peux en faire encore un. Si vraiment, hop, je dois en faire 3. Tac, tac. Voilà, donc ça, c'est pour le kebab. Nickel. Ensuite, kebab slice, ça, c'est pour le truc de con, là. Où est-ce que je dois prendre ça? Et des petites tomates. Ah, j'en ai qu'une seule de tomates. Faut que j'aille acheter de la tomate. De la tomate! Je vais en acheter 3 au moins. Trois petites tomates. Ouais, je pense. Comme ça, j'aurai du rab pour une prochaine fois. Ouais, comme ça, j'ai un frigo où je mets des trucs. Oh, oignon! Dingue! Un frigo où je mets des légumes et un frigo où est-ce que je mets de la viande? De la viande! Oui, le super jeu de kebab roman, exactement! The Dream! Regarde-moi ça. Donc là, je viens d'acheter des petites tomates. Comment tu vas? Hop. Hop. Et hop. Ok. Donc là, je vais préparer ce truc-là pour faire... Attends. Laquelle est-ce qu'il faut que ce soit épicé? Je vais regarder hein, les menus parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait là. Ah oui, effectivement, c'est plus rapide. Black pepper, salt, donc grilled beef. Donc ça c'est bon. Salt et black pepper. Nickel. Ah, nickel. Ah, oh, c'est ça que je voulais. Chicken breast. Chili pepper. Ah, c'est le chicken. D'accord. Et le simple kebab, il faut quoi? Salt et black pepper. D'accord, ok. Ok, donc c'est bon. 1, 2, 3. Hop. Et du coup, nous on fait du black pepper.
Vous savez qu'hier, on a parlé de ce jeu, mais moi, j'ai jamais autant parlé d'un jeu de ma vie. Hein. J'ai pas arrêté d'en parler de la soirée. Hein. À chaque fois que j'avais l'occasion de parler de mon jeu, du simulateur de kebab, je le faisais. Hein. Je vous le dis. Hein. J'étais en mode... Ah non, mais là, récemment, j'ai joué à un simulateur du kebab. Ah non, c'est quelque chose. Hein. Franchement, c'est tellement RP et tout, c'est génial. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Hop là, on referme la porte. Bonjour, hop hop hop. Allez, on se dépêche là. On a du pain sur la planche. On va ranger ça. Comme des petits professionnels. Hop. 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 Et hop. I. Tic. 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 Et tic. Donc là, normalement, il y aura suffisamment de trucs pour faire du bois et tout et tout. Pour que ça se réchauffe là-dedans. Tac, nickel. Bah écoutez, je vais faire les trois premiers plats directs. Hein, hop. Toi, je te fous direct sur le feu aussi. Tac. J'allume. Allons-y. Toi, je te mets direct aussi. On va mettre une tomate. Et on va préparer lui en attendant. Donc lui, on a dit qu'il fallait du chili pepper. Généralement, c'est 3 grammes et 3 grammes. C'est top de voir le flip. Voilà. Nickel. Là, j'ai les deux trucs pour les mettre dedans. Nickel. Il faut bien faire attention de ne pas les griller parce qu'après, les gens, ils sont pas contents quand ils mangent sinon. Hop là. Donc toi, on te met là avec la petite tomate qu'on vient couper. Nickel. Et on prend des petits bouts de persil. Persil. Hop. Tac, et on va servir ça directement, hein. Bien évidemment. 100% de baking ingredient et c'est 100% chaud, donc ça me fait extrêmement plaisir. Là hop, on le transforme en petit truc, nickel. Toi, on vient te couper. Comment c'est rapide de faire à manger quand on connaît les plats. Hop, et toi, hey, votre kebab, franchement, moi il me donne pas trop envie. Hein. Franchement, si je viens dans mon propre resto, je pense que je prends pas le kebab. C'est la loose de ouf, le kebab. On cuit le poulet. On va cuire aussi potato. Ah. La potato. Tac. Le red pepper. Et le green pepper. Et je pense que je vais ouvrir. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, on ouvre! Venez manger dans mon restaurant! Et pourquoi ils cuisent pas? Ah, ils cuisaient pas depuis tout à l'heure! On coupe la patate. Hop. Oh mince, j'ai pas d'assiette. Arrêtez de venir, vous me stressez là. Bonjour, bonjour, bienvenue à vous. Eh, venez pas trop, hein. Ah, bon vivant, toujours là. Putain, ils mettent du temps à cuire. Vite! Dépêchez-vous de cuire. Hop. Tac. Et voilà, serve. Alors j'espère que j'ai mis tous les ingrédients. Oh, let's go, let's go, let's go. Kiki le champi, bonjour. Salut Kiki. Vous avez vu le waiter? Ah mais je crois qu'il pouvait venir directement servir mon plat. Attendez, je vais continuer de faire les trucs parce que sinon on est dans la sauce là. Ah mince. Ah oui, il faut couper. Faut que je coupe le morceau de viande. Hop. Le sel. 1, 2, 3 grammes. Tac. Le black pepper. 1, 2, 3. Tac. Nickel. Salt. 2, 3. Il n'y a plus quoi déjà? Oh putain, il n'y a plus de poulet. J'arrive, j'arrive. J'arrive les copains.
J'arrive. Je vous fais ça tout de suite. Nickel. Tac, je vous cuis ça tout de suite. Ne vous inquiétez même pas. Hop. Ah, mais il est en train de cuire mon truc. Il est un peu cramé. Ok. C'est fine, c'est fine. Oh putain! Vous avez plus de kebab non plus! Ah! Voilà. Ça va aller, ça va aller. R. Green pepper. Oh merde, il me faut de la patate. Pour le chicken breast. Tac. Ça va le faire, ça va le faire. Attendez! Attendez! J'arrive! Le kebab, il arrive! J'arrive! Oh la patate, ça met tellement de temps à cuire. Ah, mais elle est là, la patate cuite! C'est pas vrai! Je l'avais faite, la patate cuite! Venez, 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 venez! Mangez mon chic. Merde! En train de cramer cette patate. Oh non! Attends, il y avait quoi avec le. Ah, il y a la tomate! Oh merde, j'ai mis le mauvais plat au mauvais endroit. Allez, retourne-toi, toi. Et il est bon, mon restaurant, hein? Vas-y. Ah, qu'est-ce qu'il est bon, mon restaurant? Qu'est-ce qu'on s'amuse? Il y a quoi de plus encore là? Ah, il y a plus de poulet. Y a plus de poulet alors que je viens de le refaire en entier. Merde. Donc toi t'es cuit. Toi t'es cuit aussi. Hop. Tac. Si vous voulez du grilled beef, n'hésitez pas surtout. Hein. Là c'est l'occasion. Je sens que c'est une fin de journée là, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup moins de gens dans mon resto qu'avant là, c'est bizarre. Grilled beef. Oh la disaster class, j'ai fait un chicken beef. Ah, je suis désolée, chicken breast, mais j'en avais refait un exprès pour vous en plus. Je vous jure. Oh, j'en ai plus de chicken breast là, c'est terrible. Ah, je peux plus vous le proposer le chicken breast. 11K. Eh, je suis blindé. Hein. Je suis blindax au max là. Il mange dans mon oreille droite ou quoi? Mais il mange dans mon oreille droite. Ah, c'est cool d'avoir un larbin en plus. Ah, oh, mais oui! Il vient prendre la thune. Ah, c'est pas mal ça. C'est cool. Allez, franchement, avant, je devais tout faire d'un coup. Warwick, il n'y a plus de chicken breast. Arrête. Arrêtez avec votre chicken breast un peu nul. Et puis après, regardez. Il y a 4 fans qui est pas content. Oh non! Il y avait une super... Mais qu'est-ce que c'est que cet outfit, 4 fans? On dirait le mec de Pringles. Bonjour, je suis le mec de Pringles. J'ai inventé le Pringles piquant. Il a oublié son pantalon en se levant ce matin. Il y en a du kebab. Venez manger mon kebab. Il n'y a plus de kebab. Il n'y a plus de kebab. Je suis deg. Attendez, hop. Je vous en refais un de kebab. Franchement, le kebab, c'est trop facile à faire. Je suis choquée. Je suis choquée. Je vais vous en faire un de kebab, messieurs, dames. Ne vous inquiétez pas, Holdener. Qu'est-ce que tu fais debout? Tu me fais peur. Alors, bientôt de voir le reverse. Hop. J'arrive. Loumès, qui veut son kebab. Tout doux. Tout doux, l'astico. Est-ce que je peux le détacher direct? Ah ouais. Quand il est cuit.
Faut que je le coupe. Et ça, normalement, c'est cuit aussi, donc c'est bon. Et on va couper le garlic. Attendez, hein. Ne partez pas, hein. Je vous en conjure. Voici le kebab. Voilà, Lounès. Ah, super kebab. Tonton Kalem. Oh non, il n'y a plus de plat. C'est cauchemardesque. Après, franchement, quand ils payent 300 euros le plat et que les serveurs, je peux les payer 250 la journée. Attends, mais c'est cheaté. Je me fais une marge de fou, quoi. Nickel. Chicken breast. Non, il n'y en a clairement pas assez de chicken breast. Chicken breast. Voilà. Voilà, les copains. Super. À 4 fans, il repart. Mais attends, t'es revenu et t'es reparti après. Ah, je suis vraiment désolée. Tonton Kalem, fais voir ton outfit vite fait. Vite fait. Oh, t'as disparu. Ah, oh, je suis dingue. C'est bientôt le soir, messieurs dames. Vous savez ce que ça veut dire le soir. Il y a tellement de déchets partout. Il faut clairement que j'engage 3 serveurs en fait. Et là, on va se faire une marge de ouf. Et là, on va se faire une marge de ouf. Si j'organise bien mon truc et tout, je vais tellement devenir riche. Ah, vous êtes des porcs de ouf. Old Honor qui vient pour son chicken breast. Old Honor, il ne faut pas, il faut arrêter. Chicken breast, ça n'existe plus le chicken breast. Bon, en fait, les gens, ils viennent manger dans un resto, mais ils laissent leurs bouteilles, ils laissent leurs vêtements par terre. Je sais pas ce qui se passe, en fait, quand ils mangent dans ce restaurant. Il se passe des trucs de fou. Ouais. Ok, bon, alors j'ai 13 000 aujourd'hui, j'ai presque doublé la marge que j'avais. Je pense que franchement, on peut avoir un nouveau resto assez rapidement. Hein. Franchement, là je vois pas un monde où est-ce qu'on dette pas ça, en fait. Donc on va acheter, je pense, un nouveau frigo. C'est important, un nouveau frigo. Hein. Il m'en faut un, de nouveau frigo. Frigidaire. Le petit frigidaire. Ah, voilà, le petit frigidaire. Frigidaire. C'est portable. Moi, mon objectif, je vous le dis, hein, mon objectif, c'est de réussir à acheter ça et ensuite l'utiliser. Le truc où est-ce que tu tonds là et puis tu prends des petits morceaux de viande là. C'est mon rêve. Mon rêve absolu. Je suis venue 2 fois, j'ai jamais été nourrie. Est-ce que tu demandais le chicken breast? Il faut pas venir manger chicken breast. Ah, il n'y a plus de cheese. Chief Beef. Bon, allez, je suis désolée, moi c'est fermé là. Allez, c'est fermé là. Sortez tous de mon restaurant là. Sortez tous de mon restaurant. Sortez tous de mon restaurant. On va aller faire les courses. Et on va réorganiser. Le frigo. Bah. Y a un bug. Y a comme qui dirait un bug. On va jeter la patate. Parce qu'elle est plus chaude. Mais pourquoi le deuxième frigidaire ne marche pas? Mets un pantalon la prochaine fois. Elle est tellement vénère. Allez, partez de chez moi, là. Il est à l'endroit. Bah, je crois. Pourquoi il serait pas à l'endroit? Ah non, mais c'est bugué, je pense. Celle. Mais non, mais j'attends. Je vais pas vendre un truc moitié prix de ce que je viens d'acheter. Ça va pas, oui. Mais, je peux pas l'utiliser, mon frigo. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, dis donc. D'accord. Bah. Il est pas à l'endroit. Mais non. Rires.
Mais quelle idée de faire un truc qui ressemble exactement au... Je comprends pas, là. Il était à l'envers. Il était à l'envers. Oh, satané. Ok. D'accord, oui. J'ai envie de ranger mon frigo comme si c'était le vrai. Donc moi, je vous explique, je mets le beurre là-haut, tranquillement. Je mets le petit lait juste là. Hop, je les étale comme ça. Voilà, comme ça on sait où est quoi. Coubé. Pas mal. On va mettre le green pepper juste ici et le red pepper sur le côté. Le red pepper. Hop. 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 Et le persil aussi, moi j'ai besoin de le mettre en petit lardon d'oignon comme ça. Et comme ça, je vous jure, on va se faire de la thune là. Vous êtes pas prêts? On va voir les 50 000 en 2 secondes et demie, là. C'est une folie, ce qui se passe. C'est une folie. Le truc le plus haut possible à chaque fois. Ok, franchement, mon frigo, je suis fière de moi, là. Il est beau, hein. Ah, il est beau, le frigidaire. Ah, il est beau. Ah, il est beau, le frigidaire. Hall d'honneur, il faut partir, maintenant. Il faut partir. Je ne peux pas rester dans mon restaurant comme ça, indéfiniment. C'est pas possible. Ils attendent devant le restaurant comme si j'allais leur ouvrir. Mais venez! Vous allez venir, là? Non. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? C'est complètement buggé! C'est buggé! C'est complètement buggé! Pourquoi tout le monde est dans la table? Je ne sais pas. Oh, et voilà que monsieur veut un grilled beef. Oh là là, ils viennent tous en même temps. Oh là là. Vous allez me faire travailler encore, là? Vous allez me faire travailler encore là? Non. En vrai, oh, il n'y a plus de feu. Oh non, je vous jure, c'est une disaster class là. Venez manger la merguez et puis... Non mais pour moi, c'est une fin de journée là. J'ai mal géré ma journée. Non, vous pouvez pas me demander de refaire encore à manger indéfiniment. Non, c'est pas possible. Non. Je vais acheter 2 fois ça et... 3 fois ça. Tail fat. Oh! Mais je peux prendre ça, c'est tellement moins cher. Oh purée, attendez, c'est moins cher. Oh, let's go. 900. Tail fat. Je peux faire du kebab avec des trucs beaucoup de moins bonne qualité. Incroyable. Ça, c'est la strat, ça. Allez. Sortez de chez moi, là. Sortez de chez moi, vite. Il n'y a rien à faire ici. Il n'y a rien à faire dans mon restaurant. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Vous voyez ce que je veux dire? Je vais saler les trucs. Et ensuite, seulement, je vais les ranger. Je vais les assaisonner. Les assaisonner. Et ensuite, je vais les ranger. Comme ça, c'est bon. Attends, mais tail fat, c'est ça, en fait. Wouah. Pas traduire en français par contre, hein, parce que la tail fat. On est sur. Ok, bon, on range ça sur le côté. Voilà. Pas très cher, pas très bon, exactement. 2, 3, on sale tout, comme ça c'est fait en avance. Et comme ça demain on peut lancer plus vite le resto. Black pepper, encore une fois, hop. C'est quoi ces bruits dégueux là? Ok, donc là c'est assaisonné. Nickel. Les petites viandes assaisonnées, on les met juste ici. Donc ça, c'est pour le grilled beef. Là, on aura du stock pour demain. Et là, du coup, truc de ouf, on va pouvoir faire avec ceci, n'est-ce pas? Hop, tac. Et là, du coup, je le mets là-dedans. C'est ça? Non, attends, ça marche pas comme ça. Il y a des plats qu'avec des légumes, je crois pas.
Je crois pas, c'est kebab et kebab, c'est genre de la viande quoi. Donc en fait, le thème, c'est vraiment la viande. Si, il y a de la soupe. Il y a de la tomato soupe si jamais. J'ai menti en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a que des légumes là-dedans. Enfin, il y a du lait et du beurre. Mais en somme, c'est des légumes quoi, principalement. Attends. Du coup, je suis en train de chercher simple kebab, voilà, tail fat. Ah, il me faut quand même du ribeye. Ah, c'est ça qui me manquait peut-être. Ah, waouh, tail fat. Waouh. J'avais pas fait la bonne recette depuis le début. J'en reviens pas, il me manquait une étape. Faut que j'achète du gros truc là. Je vais chez le boucher. N'hésitez pas à sortir de mon resto, hein, encore une fois, vraiment. Une traduction française approximative sur le jeu, normalement. Ouais, t'inquiète, je suis une anglaise, moi. J'ai l'impression que j'ai un problème de FPS. Non? Non? Ok. Shadow quality, tout est on, ok. Bon. J'avais complètement... Et depuis le début, je fais vos kebabs. Là, vous avez l'impression de manger un banger. Alors qu'en fait, il manque des trucs dedans, quoi. C'est une folie ce qui se passe là-dedans, là. Pourquoi je peux pas l'utiliser? La nuit, le jeu n'aime pas trop en FPS. C'est mieux de préparer tout le matin. Ouais, j'ai l'impression, hein, je vais peut-être faire ça la suite le matin. Et pour ça, il faudrait qu'il assume que ma journée est finie. J'ai l'impression qu'il veut pas que ma journée se finisse, là. C'est trop bizarre. Ah, mais je peux le forcer, en plus. Donc c'est vrai que c'est possible. Ok, bon, on fera ça demain, alors. Hop, on range tout ça, parce que sinon, ça va pourrir. Et moi, j'ai pas envie de... d'avoir acheté des aliments et que ça pourrisse comme ça, en fait. Mais du coup, j'ai acheté plein de trucs pour rien, là. J'ai acheté tout plein de trucs pour rien. Je suis dégoûtée. Tac. Et tac. Ok. Ok, alors on est bon, c'est propre. Oh, j'allais oublier un morceau de ribeye, en plus c'est super cher. Tac. Ok. Bon allez, je vous dis bonne nuit. End the day. Voilà. Merci. Daily day expense, 3600. 28 dishes, customers, 9. Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de customers, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, les amis, puisque nous sommes des pro players et que nous allons d'être ça aujourd'hui. Allez, comme ça. C'est parti. Aujourd'hui, on va préparer le même menu qu'hier, je pense, du kebab, du chicken breast et du grilled beef. Sauf que je vais tryhard pour qu'aucune personne de ce chat ne se sente délaissée et n'ait pas le repas qu'il souhaite. Je vais aller engager Nathalie pour qu'elle fasse waiter et cleaning. Et lui, il va juste wash the dishes. Ouais. Ça me paraît pas mal. Ma fille. Bonjour. Vous avez entendu le chat miauler? Viens. Viens, mon chat. Viens. Aria. Oh, elle s'en fout de moi. Elle m'a mis un nope. D'accord. Bon, bah, pas de chat. Tant pis. Elle s'en va. Suis tellement triste. Pourquoi il veut pas que je l'utilise? Ah, parce qu'il faut que je la coupe en plusieurs morceaux. Yeah. Je pense que tu l'as attiré avec ta toux là. Il a toussé et ça l'a attiré. Elle était en mode OMG! Il y a quelqu'un qui a toussé! Ok, alors. Slice tail fat, ok. Donc on va sortir le tail fat. Truc qui ressemble à du poulet, mais en fait je sais pas ce que c'est. Slice, hop, bam. Oh, on a des petits morceaux, trop mimi! Et si j'en prends un? Ah non, ok, je peux pas les séparer visiblement. Ok. Pas entre le chat le triste qu'on lui a appris. Ouais.
Maria vient. Retraite. Ouais. Ok. Alors, les amis, pause dans le gameplay incroyable du kebab. On a mis 2 mois à lui apprendre ça, donc faut quand même... Alors, en gros, on a appris à Aria à venir quand on lui demande. Et une nouvelle coupe de cheveux, le chat. Là, vous pouvez dire que j'ai des beaux cheveux. Là, vous avez le droit, là. C'est quand même plus stylé, parce qu'avant, il avait une coupe de Playmobil, c'était terrible. Comme ça. En fait, le problème, les amis, c'est que Aria, jusqu'à maintenant, on lui tapait à un endroit, elle ne comprenait pas qu'on voulait qu'elle vienne à cet endroit-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je prenais des croquettes et je lui disais « Viens !» Et elle avait la croquette. Bon, comme quand on éduque un animal, en gros. Alors, tu peux mettre la caméra... Attends. Ça marche pas. J'imagine la disaster class, je rate en live. Ok, ok. Elle vient pas, genre. Aria, viens. Viens. Je t'en supplie. Aria, viens. 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 Aria, viens. Ah, elle arrive. Aria, viens. Viens. Oui. Voilà. C'est bien, ma fille, c'est bien. C'est bien, le bébé. C'est bien, mon bébé. Et là, elle est en mode, mais elle est où, ma croquette? Ouf. Ça aurait été le fail de l'année, là. Vous lui avez mis quoi comme tenue? Bah, on l'habille pour Noël. Ouais. On lui a mis des guirlandes. On lui a mis un truc rouge de Père Noël. Oh, le bébé. Elle s'est fait stériliser, du coup elle a ça, Emilk. C'est un body. Regardez le chat comme elle est belle. Elle a trop le seum là, d'être portée. Oh, elle est en mode. Elle a le seum, d'habitude elle a pas le seum d'être portée. Ah ouais, parce que c'est. À partir du moment où tu rentres dans cette pièce de stream, en fait elle prend le seum de toute interaction. Pour elle, c'est le fun absolu normalement. Ah ouais, non mais avec moi c'est. Regardez ce que je lui ai appris aussi. Non mais. Hop là, et là je peux me balader dans l'appart sans souci. Regardez, vas-y, vas-y, pars. Vas-y, vas-y. Allez, regardez comme elle est à l'aise. Voilà, hop, on part. Et hop, on revient. Et wouh. Et là, mon masque il va tomber, le fail de l'année. Oh. On a que ça à foutre dans notre... Allez, c'est bon. Voilà, kebab. Voilà. Menu 1, menu 1, la team. C'est quoi menu 1? C'est kebab? Je sais pas. Tout le monde va dire menu 1 la prochaine fois. Non, 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 mais dites des menus différents, c'est bien ça. Eh, votre chat, il est pas funambuliste comme la nôtre. En vrai, si, je pense que tous les chats font ça. Oh, Nathalie est arrivée. Maintenant, nous avons Arnold et Nathalie. Il est où, Arnold? Ah, il est dehors. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais, Arnold? Arnold! Mais qu'est-ce que tu fais? Arnold! Mais... Non, Arnold a des très très gros bras. Ça c'est à force de... C'est à force de nettoyer ça. Ça c'est à force de nettoyer. Ça a fait gonfler les muscles. On te paye pas à aller te balader, hein. Je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'il fait, hein. Ok, bon. Alors j'étais en train de faire le menu. Donc nous avons rajouté tail fat. Salt, pepper. Yep, salt. Il me reste que 6 grammes de salt. Disaster class? Ah ouais? Il me reste que 3 grammes là. Black paper. Faut que j'aille me racheter du sel. Eh, vous auriez un peu de toxicité ou pas dans le chat? c'est pour le sel. Vous l'avez? C'est pour la toxicité, le sel là. Hein? Merci beaucoup, Peppers. Oh! Black Peppers. Merci beaucoup pour le Prime. Ça fait plaisir. Donc j'ai racheté du sel. Et il vient pas de... Et il vient pas de League of Legends, en tout cas. Lui. Oh! Oh! Oh,
en plus il y a des mouches autour. Oh, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, on va la réutiliser, on réutilise exactement le même couteau sans le laver. Venez manger mon kebab. Venez manger mon kebab. Je vous en prie. Allez, n'hésitez pas. Ok, donc je pense que je vais venir directement avec ça. Mettre... Ah non, on peut pas prendre les ingrédients qui sont dans le frigo. Ok, chiantos. Je vais aller racheter du garlic, du green pepper. Qu'est-ce qui nous manque? Tomate, c'est bon. Persil, c'est bon. Viande, ça m'a l'air d'être bon. Je vais aller acheter du garlic et du green pepper. Et après ça, normalement, on sera bon au niveau de tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire une masterclass aujourd'hui avec vous. Exceptionnel. Ah ouais, non, moisissure et tout. Laissez ça tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hop. Tu devrais stocker les brochettes au frigo, non? C'est plus loin d'accès quand je suis en train de cuisiner. Donc je préfère les mettre dehors et quand j'ai fini ma journée, je les rentre. Mais là, j'ai oublié de les rentrer, en fait. C'est ça le problème, là. Hop. Tac. Et tac. Tac. Touk. Tic-toc. Tic-toc. Tic. Et toc. Pas mal celle-là. Allez. On va sortir 3 petits garlic et 3 petits green pepper. Et là, moi, je vous dis, hein, si vous venez pour du kebab, vous allez être servi. Hop. Voilà. Donc, ok. Ensuite, donc là j'ai préparé normalement d'avance ribeye slice qui sont normalement salés et poivrés à chaque fois. Toi, je sais pas à quoi tu vas me servir, donc peut-être que tu vas me servir à faire à nouveau un kebab, mais je sais pas si je vais en avoir besoin parce qu'en vrai 4 brochettes c'est déjà énorme. Donc je vais te ranger, ce sera un ribeye slice classique. On va le mettre là. En fait, je pense qu'on va faire des packs de ce dont j'ai besoin pour faire les nouveaux menus. Ça, je me trompe pas. Là, on sort les petits trucs. Oh, un chat! Un chat qui vient me voir, c'est nouveau, ça. C'est nouveau, c'est une breaking news. Depuis quand mon chat m'aime? J'étais pas au courant que tu m'aimais. Hein? Mmh. Le petit bébé. Oh, le petit chat. Je vous mets la cam 4. Vous voulez la cam 4? Allez. Alors où est-ce que je la mets la cam 4? C'est ça le problème. Je peux la mettre... Ouais, ici, là. C'est pas mal ici. Ok. D'accord. Donc voilà. Donc ça, normalement, c'est ce dont j'ai besoin pour faire du grilled beef. Du grilled beef. Et ensuite, je vais mettre un autre truc pour ce dont j'ai besoin. À propos du poulet. Donc c'est du green pepper, du red pepper, tac, et normalement le poulet. Et le poulet, il faut que je vais l'assaisonner. Chicken braised. Et là on sera bon pour ouvrir le resto normalement. Sel. Ah j'en ai plus de sel après, ok. 3, hop, et là on met du chili pepper. Dinguerie. Attends, si... mais il a une cape de super-héros, c'est parce qu'elle a été stérilisée. Ok. Du coup, faut pas qu'elle se gratte. C'est idiote. Et c'est pas pour autant qu'elle cicatrise bien, cette boulouse. Bah alors, on cicatrise mal? Bah alors, espèce de petite boulouse. Ok. Vous êtes prêts? On va tout faire cuire en même temps. Je vais sortir les 3 assiettes dont on a besoin. Arrête d'agresser mon casque. Qu'est-ce que tu fais? Aria. Non.
Non. Non. Non. Enfin, espèce d'idiote. Idiote. Idiote. T'es une idiote. Ok. Je suis autoritaire ou pas? Non. T'arrêtes, oui. C'est quoi son problème à ce chat là? T'as un problème? T'as un problème avec moi en fait. T'as un souci. Allez, c'est parti. Zou. Aria. Voilà. Je te mets un petit kebab avec la petite brochette d'accompagnement qui va bien. Et je vais te mettre la petite viande. Voilà. Et je pense que je vais prendre un... Ah bah j'en ai plus. De Squaver. R. Ça c'est cuit normalement. Hop. Tic. Mais je suis une professionnelle. Je coupe le garlic. Je coupe la tomate. Oh mince, j'ai pas mis les autres ingrédients. En plus, la tomate, ça cuit lentement. Bon, c'est pas grave. Tic. Touc. Tac. Ah, mais j'ai pas mis les plats. J'ai pas mis les plats. Reed beef. Ils sont cuits les trucs à côté. J'allais les chercher. Voilà. Touc. Et... Touc. Allez, on ouvre le resto. C'est parti. C'est parti. Comment ça, hit 67%? Comment ça? Allez, venez. Allez, viens faire un petit tour à la maison. Hip, hop. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Et elle est née avec son petit accordéon. J'arrive de cette musique ou pas? Moi, je chante, je dansais dessus quand j'étais petite. Je vous ai déjà raconté ça. Ça me fait beaucoup rire. Allez-y, venez vous délecter de mes magnifiques plats. Venez vous délecter. On coupe la patate. On coupe. I. Vous prenez quoi comme menu là? Hop. Schlick. On prend la tomate. On prend la patate. Tic. On prend les deux petits parsley. Hop, hop. Est-ce que vous avez pris le grilled beef? Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le grilled beef. Il faut qu'il parte, il faut qu'il parte le grilled beef. Qu'est-ce qui est parti en premier? Oh, c'est le kebab. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis dégoûtée. Comment ça, c'est le kebab qui part en premier? Oh non. Oh non. Oh non.
Mais prenez autre chose que le kebab. Bon sang. Oh, les trucs ils vont être froids. Je vais pas mettre les assiettes sur le feu là. Oh, attends, je suis en train de cramer les trucs. Oh, vous prenez tous des kebabs, espèce de bande de traîtres! Pourquoi vous prenez tous des kebabs? Bande de traîtres, y a quelqu'un derrière tout ça. J'en suis sûre. C'est pas normal! Vous prenez tous des kebabs! Vous êtes vraiment horrible! Je vais vous en faire des kebabs, vous allez voir, bande de traîtres. Et mes deux petits plats là! Ils sont pas bien mes deux petits plats! Ah! Il n'a déjà plus! Mais comment? Vous êtes sérieux? Ah non, 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 pas du tout! Ah non, mais pas du tout quoi! Ah voilà! Oh non! Ah, il y en a plus, attends, qu'est-ce que c'est qu'il y en a plus? Attendez, je vais refaire du kebab. Qu'est-ce qui manque? Le chicken breast. Bon, désolé, mais... Le grilled beef. Ah bon, c'est un peu froid, mais bon... J'arrive avec le kebab. Je vais vous en refaire encore et encore. Pas de soucis. Ouais, niveau 15, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais, grâce à qui, ouais. Attendez, il y a quoi dans le chicken... Ah ouais. Dans le kebab, il y a ça. On retourne la viande. Super. On va chercher une assiette. On la pose. Comme vous voulez tous du kebab, bande 2. Vous êtes vraiment... Vous êtes vraiment des petits fumiers. Je vous le dis. Vous avez tous pris du kebab. Vous êtes des fumiers. Ah! Mais regardez-moi ça. Tout le monde qui prend du kebab. Je suis riche. Par contre, je suis blindée. Bon, je fais comme je peux en termes de rythme. Kebab, kebab, hop là, voilà. Régalez-vous. Ah, il n'y a plus de chicken breast. Bon, attendez, je vais essayer de leur foutre sur le feu, voir ce que ça donne. Faut que la température augmente. Ça n'augmente pas? C'est juste un peu grillé en fait. Ok. Oh, mais il y a déjà plus de kebab! Ah, mais comment je fais? Du coup, j'en refais? Oh là là! Je vais en refaire, je vais en refaire! Allez, j'en refais, j'en refais! Ça prend 2 secondes. C'est la fin de la journée déjà. Mais comme vous prenez tous du kebab, bande de. Bon, nos petits loustiques. Nickel. Attends, fais voir. Ah oui. Nice. Black, salt, pepper. Mixing bowl. Ah, mais je crois que c'est bon. Voilà. Je crois que c'est bon. Vous avez vu comme j'ai géré? Bon, par contre, j'ai plus de green pepper. J'ai géré. Ah ah, vous y attendiez pas à celle-là. J'ai géré la fougère. Bande de petits loustiques. Vous avez fait exprès de prendre le même menu tous là? Ou pas? Vous avez fait exprès, c'était une filouterie? Pour me compliquer la tâche? Oui. Très bien. Je retiens, je retiens. Je retiendrai. À l'avenir. Oh, quel enfer. Imagine, non mais, si tu fais ça dans un vrai resto, genre vraiment tout le monde prend la même chose, bah y'a plus de stock en fait. Et tu dis aux gens, bah désolé, y'a plus de stock. Bon, y'a plus de green pepper, mais vous allez vous en remettre un. Hein. C'est pas grave. Voilà. Régalez-vous. Bande de petits loustiques.
Ah, je vous jure. Normalement, c'est bientôt la fin de la journée, là, donc on est bon en termes de gestion. Oh là là, mais j'ai d'être ça aujourd'hui, dingue. Alors, ce qu'on va faire pour demain, c'est que je vais essayer de faire des nouveaux plats. Parce que c'est pas que c'est un peu répétitif, mais un peu quand même. Et nous, on est un restaurant 5 étoiles ou on n'est pas un restaurant 5 étoiles? Je vais varier mes menus. Donc, nous allons regarder tous ensemble. Il y a toujours le bol de soupe là-dessous, là. Je sais pas comment faire. Hop, tac. Tout est propre, presque. Ah, ils travaillent bien, hein, mes petits larbins, là. Ils travaillent bien. Heureusement qu'ils sont là, j'ai envie de vous dire. Moi, je veux juste mon gros kebab. Mais le jour où je pourrais vraiment vous en servir des vrais kebabs, où vraiment je tonds la viande comme ça, là, ce sera the dream. The dreamy dream. Ok, alors, on va regarder le menu, voir ce qu'on peut mettre. Parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux plats. Tomato kebab. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Chicken soup. Donneur. Donneur slice, transfert tout. Donneur knife. Attache tout. Donneur machine. Attendez, peut-être que mon rêve va se réaliser, messieurs dames. Peut-être bien. C'est vraiment pas appétissant. Mais pourtant... Moi, je le déglingue. Hein. Moi, je le déglingue, personnellement. Attends. Oh non, c'est toujours pas le truc que je veux. Donneur machine. Attends, c'est quoi, donneur machine, du coup? Medium freezer. Ça, c'est encore pour eux, je pense. C'est quoi donneur machine? Oh non! C'est pas ça là? Donneur cooker. Vous êtes sûr que c'est pas ça? Attends, menu. Donneur. Attendez, je vais vraiment mettre moins fort le son parce que c'est dégueu à chaque fois. Je vais mettre. Lis la description. Vas-y. Je vais mettre un peu de musique. Donneur machine, donneur knife, donneur slice. Un donneur est un kebab. Et du coup, c'est quoi le donneur machine? Attendez, je vais arrêter de poser des questions, je vais regarder. C'est pas ça? Moi, je pense que c'est ça. Hein. Si vous voulez mon avis. Moi, je pense que c'est ça. Oh, les amis. Oh. My dream. The dream comes true. Oh là là. Oh. Oh. Ok. Alors, on va regarder du coup le menu. On va regarder lui et je vais l'attacher. Ok. Du coup, il me faut quoi? Optional. Mais moi, je te fais toutes les options, il n'y a pas de souci. Grill, potato, tomato, green pepper. Alors là, il me faut absolument tout ce dont j'ai besoin. Il me faut du green pepper. Il me faut du garlic. Il me faut de la patate. Il me faut de la tomate. Il me faut plein de choses, là. Et qu'est-ce qu'il me faut comme viande? Slice, ribeye. Attache tout, donneur machine. Oh, attends. On va tester. Je peux l'attacher là? Non, ça marche pas. Slice ribeye. Ah. Ah mais non, attends, si je le fais maintenant, je vais devoir l'utiliser. Je ferai ça demain. Ça va pourrir sinon. Ça aurait été dommage. Ok. Ok. Allez. Non, c'est là-bas qu'on va. Oh là là, let's go! On a enfin notre machine à kebab. Oh, je suis trop heureuse. Ça fait tellement de temps que j'attends ça. 4, 1, 2, 3, 4. On en achète 4 à chaque fois. 4. Oh, je peux acheter des lemons maintenant. Et les green peppers, très important. Voilà.
On ramène ça avec des petits légumes. Les petits légumes. Salut, hop, miak. Nathalie, tu peux rentrer chez toi, il n'y a pas de souci. Hein. Tu as bien travaillé aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Mom, I know you. And I know you wanna move like gag. Move like gag. Donne-moi le garlic qui reste. Voilà, merci. La petite patate. Je la range ici. Voilà. Ah, c'est quand même plus rapide. La tomate. La tomate. Hop, tac. Le petit truc rouge. On le pose juste ici. Ensuite, tac. Tac. Je crois qu'elle vole. Je crois qu'ils volent les trucs. Ouais. Je les ai mal positionnés. Voilà, c'est bon. Et ensuite, les petits trucs verts. Un peu fastidieux, mais... Moi, j'aime bien quand c'est fastidieux comme ça, parce que c'est réaliste. Moi, je fais vraiment ça avec mes ingrédients dans mon frigo, donc... Take a donor knife. Alors, j'ai même pas de donor knife. Je crois que je vais devoir aller en acheter. The dream! Regardez, regardez, on va enfin acheter le donor knife. Oh, let's go! Let's go! I gotta move like gag. Les amis, j'ai 21 000 sur mon compte en banque. Est-ce que vous... Est-ce qu'on peut aller s'amuser un peu ou pas? Est-ce qu'on peut ou pas? Je vous pose la question. Tomato, green potato, machin, machin. Alors normalement c'est bon, j'ai fait les stocks. Il manquera du poulet pour demain. Je vais quand même aller acheter du poulet. Ouais, du poulet. Pour le chicken breast. Sinon c'est pas marrant. C'est proche de toc. Pour tout aligner comme ça. De toc? Ah oui. Non, non, ça va. C'est juste que si je fais pas comme ça, c'est mal rangé après. Donc c'est embêtant tout de même. Le jour où je pourrais vous servir des saucisses, vous inquiétez pas que je vous servirai des saucisses. Un peu de saucisse. Vous voulez de la saucisse? On vit vraiment dans une saucisse. La saucisse. Et voilà. Allez, bonne soirée à tous, hein. Allez, bisous. Est-ce que vous pensez qu'il reste là? Toute la nuit. Allez, salut les loulous, hein. Ciao. Ciao. Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, Nathalie. Bonne nuit, Alfonso. Des bisous. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir doubler notre... On est à 20 000. On peut parier un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut parier? Ouh. Un petit 600, ça me paraît déjà pas mal. Hein. Oh là, 600, hé. Hey. Hein, on n'a pas peur, nous. Donc c'est du blackjack. Stay. 14. 22. Let's go! Let's go! Trop facile. Trop facile? Ok. We go again? Mais pas trop. Écoutez, moi je vous propose de jouer ce qu'on a gagné, donc 600 encore une fois. 2, d'accord. 8. On continue. 15. On continue. Allez. Allez, allez, allez. Un petit 500 et puis après on va se coucher. 2. 5. Ok, on continue. 7. 14. 1, 1. On continue. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez. Allez. On va dormir. On va dormir. Hop. bien sûr. Oh, you have debts to pay. De quoi? Attends, quoi? J'ai des dettes à payer?
clean up. You have debts to pay. Qu'est-ce qu'il me dit? Je dois aller payer mes employés? Paye tes factures. Mais de quoi? De quoi? De quoi? Check la banque. Et il me demande de faire ça le soir. Je check la banque? Mais je suis jamais allée à la banque. Ah bah non, non. Je refuse. Je lui refuse de lier mon abonné Netflix. Non mais c'est pas ça. Peut-être que j'ai des petits papiers sur mon... Attendez, je vais essayer d'aller voir les serveurs. On va voir ce qu'ils me disent. Les serveurs, là. Qu'est-ce qu'il y a? Le syndicat des serveurs. Alors, on ne voit rien dans ce bâtiment. Où est l'interrupteur? Ah. Bon, Nathalie. Nat. Arnold. Non, mais... Non mais c'est après, si je peux pas vous payer, je vais vous laisser là. Bonne nuit quoi. Oh, sur la tablette. C'est quoi 400? Pourquoi 400? C'est quoi? Oh là là, j'ai gagné le niveau 10 sur le simple kebab. Simple kebab. Oh là là, j'ai fait 35 couverts aujourd'hui, c'est une folie. C'est une folie, c'est une folie. Dingue. Solide. La viande pourrie, l'inspection a dû passer. Sans doute, hein. J'imagine. Waouh. Wow. Des gens incognito qui passent dans cette rue. Ok, donc là, Nathalie, tu n'as pas bougé d'un pouce. Tu as dormi ici, j'en conclus. Tu es très étrange. Ils sont toujours au même endroit. Ils n'ont pas bougé d'un pouce. Bonjour, bonjour, Nat. Ça va, Nat? Ma petite Nat. Comment elle va, ma petite Nat? Un peu étrange, Nathan, mais on lui en veut pas, il n'y a pas de souci. Écoutez, on va peut-être se concentrer sur du kebab aujourd'hui. Moi, j'ai bien envie d'essayer ça avec vous. Hein? Toute sérénité. Alors, Slicer eBay, attache-toi au donneur machine. Oh là là! Oh là là, là 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 là! Oh, il faut l'allumer. Est-ce que je peux en mettre un autre? Pour qu'il soit plus gros. Oh, oh! Je vais en mettre encore plus. Encore plus. Encore. Allez. Comme ça, il sera énorme. Oh, waouh. Il est magnifique. Oh! J'ai lancé ce jeu pour atteindre cet objectif à un moment donné. Je suis super contente. Shave off donor slice from donor. Grill each side. D'accord. Transfer to a plate. Optional. Tomato, green pepper. Écoutez, j'ai envie de vous faire une journée spéciale kebab. Où est-ce que je vous fais du kebab en machine et du kebab en... Comme je connais l'autre. Ça vous va? On fait une journée à thème, spéciale kebab. Avec ça là. Oh, mon chat qui miaule. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Oui. Oh! Tu t'emmerdes! Oh! Mon chat! Bon alors? C'est quoi ce minou là? Ok. On va prendre du tail fat. Elle me lèche. Tu me lèches le doigt? Oui?
Attends, je dois tryhard là. Je tryhard mon... Je tryhard mon jeu là. Attends. Mais dis donc. Oh là là. Black pepper. Non, non, ni non, non. Censure. Elle dénonce, Aria, elle dénonce. Ok. Boom. Ok, et là je vais avoir besoin de Squaver pour faire des trucs en avance là, de garlic. Parce que ça aussi c'est super long malheureusement. J'en ai qu'une seule, je vais aller racheter des Squaver, je m'en fous. Eh, je m'en fous! Je rachète des Squaver. Hop! On se dépêche! Elle cherche à me censurer. Non mais je crois qu'elle s'ennuie en fait. Ce qui est triste. J'en prends 4. 400 dollars. 400 dollars. Impression to ban word. Ça doit être ça, oui. Ça doit être ça. Mm-hmm, j'imagine. On peut pas poser le truc par terre, quoi. C'est pas possible. Moi, je fais tous les jours ça. Poser des objets par terre. Manger à même le sol. Enfin, voilà. Pourquoi c'est des choses qui sont pas permises dans ce kebab? Bon. Ok, on est tout bon. Normalement, il me suffit juste de préparer des petits trucs avec des garlics. Je vais en préparer 3. Comme hier. Ça s'est super bien passé hier. Hier, tout le monde était ravi. Et même si vous choisissez tous le même repas, là, c'est bon, je suis pareil, là. D'accord? Tac. Et donc, optionnel, on peut mettre potato, tomato, green pepper. Mais décidément, le green pepper, c'est famous, hein, le green pepper, là. C'est quelque chose, ça. Faut que j'aille en racheter. Pomato, potato, tomato, green pepper. Tomato, hop, bam, schluck, schlick, boum. Et là, tic-tac-touc. Et ça entraîne à la visée, hein, cette histoire. Ok. Je crois que nous sommes bons. On va aller changer le menu. Simple kebab et donneur. Bien sûr, c'est la première fois que je fais ce plat, mais vous inquiétez pas. Je vais le faire comme une professionnelle. À moins que ce soit pas le même kebab, je sais pas. Quel menu? Ah bah c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas pour autant que ça va pas être bon. Ça va être délicieux. Voilà. Si c'est quelque chose qui t'inquiétait. Hop! Et hop, non, on va pas prendre le même plat. On va prendre celui-là, tiens. Voilà, pour changer un peu. Hop. Ok. J'ai pas mis de charbon, mais je crois que ça marche quand même. Peut-être que ça tient moins longtemps, par contre. Pas de problème. Donc, je vais mettre du charbon. Voilà. Normalement, donc j'ai mis les menus, hein. J'en ai mis 2. Ah, je peux en mettre 5. Arrête. Ah, j'ai récupéré un truc. Ah, j'adore. Ok. Je vous ouvre la porte de mon restaurant, bienvenue. Ah mince, c'est vrai qu'il faut que je serre un truc avant de... d'ouvrir. Non, pas du tout. On prend la garlic, on prend tout ça, hop, on le fout ici. Tac, ça c'est chaud, on le met là. Bim, bam, et boum. La viande qui tourne et qui est en train de chauffer en même temps. Oh là là, le rêve. Oh là là, my dream. A dream. Ok, donc toi, c'est le petit garlic juste ici. Simple kebab. Tac, régalez-vous. Et là, pour celui-là, on va mettre la tomate. La patate.
le poivron vert et on va venir couper. J'adore. 5. Il faut que j'en mette 5. Ah oui, d'accord. 3, 4, 5. Oh, le rêve. Le rêve de toute une vie. Oh là là. Incroyable. Allez, venez dans mon restaurant. Venez, je vous en prie. Et n'hésitez pas à prendre le même plat. Je m'en fous. Je saurai assumer. Je saurai comment faire. Vous partez sur le menu 2, bande de traîtres. Menu 2, c'est quoi? Attends, mais c'est un mauvais affichage, là. Il est mal affiché, le truc. Il n'y a pas de menu 3, en fait. Que deux menus. Voilà. Bonjour, messieurs, dames, et bienvenue dans mon restaurant. Bienvenue, bienvenue. Je vais couper un premier bout, un deuxième bout. Je vais reposer mon couteau en espérant que ce soit cuit. Bientôt pouvoir le détacher. Hop. Tac, ça d'abord et ensuite ça va bientôt être cuit. Tac. Donc là, on va découper les trois juste ici. C'est parti. Le garlic, la patate et la tomate. On va venir mettre ça ici. Juste ici. Et par là. Toi. Juste là. Et juste là. Mais pourquoi ça marche pas là? Ah, c'est peut-être bugué les viewers. Hein. Je pense que c'est bugué les viewers. Oh non, j'étais tellement prête pour aujourd'hui. Vous êtes bugué le chat. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes bugué la team. Je dois relancer le jeu. Quel dommage, je vais avoir une journée normale. Ça m'arrangerait s'ils mangeaient plus vite les gens là. Vous voulez pas venir, vous êtes sûr? Non, c'est bugué. Putain, je voulais faire une journée spéciale kebab. Oh bah mince là, j'étais en train de fumer de ouf. Salut l'unique moustique. Oh, je suis dégoûtée, vous êtes pas là le chat. C'est comme un vide quand vous êtes pas là. C'est comme un vide. Oui, Aria. Une moucha. Ok, bah la journée va être longue. Ça passe lentement quand vous êtes pas là, hein, le chat. Un peu comme dans la vraie vie. Oh ! Ça va, madame ? Vous êtes tranquille là? Avec les petites pattes? Ouais, ça bug, ça bug. Vous pouvez plus venir là. Quel dommage, j'étais vraiment prête pour cette journée. Je pense que je vais relancer la journée là. Je suis en train de gagner de la thune, mais je vais peut-être finir la journée. And you have debts to pay. Ah ouais, je peux pas finir la journée comme ça. En même temps, j'ai bien envie qu'ils se régalent les gens. J'aimerais bien pouvoir mettre en x2 aussi ça. Encore un mec bloqué dans la table, c'est dingue. Allez, mangez mon kebab. Mangez mon kebab. Il a disparu. Ah, je vais pouvoir mettre mon petit plat là. Ça, je réchauffe un peu le plat. Overcooked. T'inquiète. Nathalie, elle squatte la porte. Non, mais ils sont trop forts, mes deux, là. Mes deux petits loups. Ils sont trop sympas. Lui, il s'occupe de clean les trucs. Elle s'occupe de la salle et tout. Elle est trop efficace. Mais c'est clairement un jeu qui est fait pour... C'est clairement un jeu qui est fait pour avoir des viewers, là. Ils sont mes viewers. Les viewers! Les viewers! Où êtes-vous? À demain, bonne jour, bonne journée. Salut, Ghost. C'est quoi ces lunettes, là?
Qu'est-ce que c'est que ces lunettes? Comment est-ce qu'on voit avec ces lunettes même? Eh, tu vois rien avec ces lunettes ou quoi? C'est pour ça que tu rentres dans la table. Alors? Alors comme ça on voit rien? Bon attendez là, qu'est-ce que je dois racheter? Du Rebay, sans doute. Le racheter le stock. On va acheter du green paper. J'en ai jamais du green paper. On va acheter la patate et du garlic. Vous voulez du donneur là vraiment? Ah, en plus il m'en reste pas mal, ça c'est dommage. Putain, si vous aviez été là aujourd'hui, vous auriez tout mangé là du... Tellement quoi. J'ai envie de lui donner ça comme ça. Tellement elle me saoule. Vas-y, je lui donne ça comme ça. Quoi? Ah, ça marche? Non, mais attends, mais y a que la viande. Donc là, t'es en train de me dire que tu kiffes alors que je t'ai mis que de la viande? Bon, attends, je vais arrêter de me faire chier avec mes légumes alors. Hein. Attends, hé. Hey. Hé oh. Hé. Hey. Non, mais. On est où là? On est où? C'est la foire à la saucisse. Mais c'est dingue ça. C'est la foire à la sausage. J'ai faim IRL alors que j'ai déjà mangé. Ah non, c'est quelque chose. Hein. C'est vrai qu'il donne faim ce jeu. Voir des gens manger avec le son des gens qui mangent et tout. Ok, bon, bah écoutez, c'est une fin de journée, c'est une fin de tournage. De mon côté, je vais aller acheter de la viande. Un petit peu de ribeye slice. C'est bien, on a un petit schéma de où se trouve chaque chose. Un peu pixelisé, mais intéressant. Je vous en prends deux. Merci, monsieur. Oh, j'ai 24 000 dollars. Et j'ai encore des dettes à payer aujourd'hui. 24 000 dollars. J'ai jamais été aussi riche de ma vie. 24 000 dollars. Mais c'est dingue. Et oui, c'est dingue. On va couper ça en avance. Hop. Tic. Et touc. Je vais régler le problème. On va finir la journée. Alors, je vais payer mes dettes, puisque visiblement, c'est important. Gourmet. Ah, putain, il faut que je fasse des chicken soup pour pouvoir l'inviter, lui. Dinguerie. Dinguerie, eh. Folie, folie. Oh, à chaque fois, il y a des gens qui sont différents. Trop stylé, trop stylé. D'accord. On finit la journée, on rentre au bercail, on va save la game, puis après, je relance le jeu pour que vous puissiez venir dans mon restaurant. Je gagne beaucoup moins de thunes quand vous n'êtes pas là, donc on va faire l'effort de régler le problème. Sinon, c'est pas marrant. Ok. New day. Tu fermes pas ton resto? Jamais, Agonia. Il marche trop bien. Regarde, j'ai de la thune. J'ai de la thune. Je fais ça que pour la thune, moi. Il faut le savoir. Allez, c'est parti. Valentine. Contente update. Attends, il y a une update en mode Valentine. We are here. Another update. Dispatch. Oh. Bug fixed. Ah, ok. Ça bug toujours chez moi. Hein. Salut, Crolla. Y a pas des chauffe-plats? Peut-être. Peut-être, et que j'ai pas vu encore. Parce qu'effectivement, c'est un problème que je rencontre de temps à autre. Hop. Je suis en train de régler le problème pour que vous puissiez venir dans mon restaurant. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suis une professionnelle. Hop. Tu vas cramer ton resto? Arrête. Je voyais les flammes. Je voyais le... Tu m'as fait peur, Tintin. C'est vrai que le RP aurait voulu que ça crame, mais ça n'a pas cramé. Bonjour! Bonjour Arnold. Bonjour! Bonjour Nathalie. Ça va?
Tout a l'air de se passer bien dans ce magasin, dans ce petit resto. Génial. Venez faire la vaisselle. Ok. Il faut du garlic, il me faut du green pepper. J'ai besoin de choses comme ça là. Salut, hello Nico, merci beaucoup pour le deuxième mois de niveau 1. Merci beaucoup pour ton abonnement, ça soutient énormément la chaîne. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il me fallait donc, du green pepper, du garlic? $34 seulement. Moi je pense que les végétariens ont raison. La viande c'est terrible. Les légumes c'est beaucoup plus méta en fait. Je vais leur mettre que des légumes dans les plats aujourd'hui là. On va voir s'ils font les marioles. Attendez, je vais sortir le truc du truc et je vais le mettre là direct, je crois. Parce que de toute façon j'en ai besoin, donc je vais les laisser dehors. Voilà. Oh, mais c'est pas vrai, mais ça me dégoûte. Non mais arrête, faut arrêter. Hein. Tu laisses un truc dehors, il va pas complètement pourrir du jour au lendemain quand même. Attends, il se moque de nous ce truc. Tac, donc ça c'est pour les kebabs à chaque fois. Hop, c'est le petit combo de kebab. Imagine, tu vas chez ton kebabiste préféré, il te sert... il te sert de l'ail et du green pepper avec ton kebab. Moi je le regarde bizarre, hein, mon kebabiste. Mon kebabier. Je le regarde, je fais mais... Où est la tomate? Où est la salade? Explique-moi. Ok. Donc en accompagnement, il me semble qu'on a du green pepper, de la tomate et de la patate. Là, je suis en train de me préparer comme hier. Parce que là, c'est vous qui allez venir. Les gens qui se font Théo de leur propre volonté sur ce live, c'est très drôle. Le pain, peut-être. Oui, c'est vrai. C'est vrai, le pain, c'est très important aussi. Hein. Ok, il n'y a plus rien dans le frigo. Le kebab, c'est prêt. Il faut que je prépare le truc qu'il y a là. Ça va encore me coûter cher, cette histoire. Putain, ça coûte super cher à chaque fois. Oh, mais ça coûte une blende. Une blende. Oh, bonsoir de bonsoir. Oh, je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça maintenant. Let's go. Ok, bon, on va refaire du coup la journée spéciale kebab avec vous, les amis, puisque tout à l'heure, vous n'aviez pas pu venir dans mon resto, alors que je suis plus que prête pour que vous veniez me spammer sur une recette en particulier, d'accord? Soyez prêts. Je vais créer mon menu spécial kebab. Le kebab day, on va l'appeler. D'honneur, simple kebab. Voilà deux menus extrêmement populaires. Je suis la jeunesse. Je vais mettre ça sur le feu. Ah mais il n'y a pas de feu. Attends, je vais peut-être... attends, ouais. Attends, ok. Je prépare le feu quand même. Elle s'appelle Nathalie. Nat. Bon bah elle est sympa. Mais je suis pas sûre qu'elle soit dispo pour des demandes de cette sorte-là, Royal Ox. On n'oublie pas qu'elle est là pour travailler. D'accord? C'est son métier. Au même titre que Arnold. Donc c'est pas possible que je vous donne le numéro de mes employés, mais si jamais vous les croisez, voilà, je pense que ça dépendra de son humeur. Nat. Ma petite Nathalie. Tu t'en vas? Ok, non. Tu m'as fait peur, Nathalie. Elle a bien failli partir à cause de ces histoires, mais... Fort heureusement, elle ne part pas. On cuit les trucs. Hop. Là, je te fais tourner ça, là. Super. On lance la cuisson. C'est parti.
Ah, j'ai encore fait le mauvais move. J'appuie sur F au lieu d'appuyer sur R. C'est terrible. Tu lui donneras un pourboire si ça te fait plaisir. Si vous avez un bon service, n'hésitez pas, bien sûr. Un pourboire qui ira peut-être dans ma poche, mais ça, il ne faut pas le dire. qu'est-ce qu'on se marre. Qu'est-ce qu'on rigole. Ok. Je vais bientôt pouvoir ouvrir les portes, messieurs, dames. Voilà, voilà. Je vais tout donner sur, sur le service. Normalement, cette journée sera une masterclass. Donc n'hésitez pas à venir dans mon kebab. Je serai professionnelle. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça c'est mon rêve. Faire ça là et regardez. Ah, regardez-moi ça. Oh là là. Ah oui, d'accord. Pas parfaitement alignée celle-ci. Voilà. 5 bouts de viande qui se suivent parfaitement. Hop. Allez. Vous êtes prêts? Venez manger à la maison, messieurs, dames. Venez donc. Nous avons du doner, nous avons du kebab. Soyez les bienvenus, messieurs, dames. Installez-vous. Dans le kebab, le pipo kebab. Ah, voilà les viewers. Les viewers sont de retour. Ah, c'est l'attaque des viewers, vite. Je vais remettre des trucs à flamber parce que sinon je vais être pris de court avec ces histoires. Voilà, régalez-vous messieurs dames, c'est ça que j'aime entendre. Des gens qui se régalent, qui mangent mon plat. Et qu'il l'aime. On coupe un petit morceau, un autre petit morceau. Tac. 4 et 5. On pose le couteau, on va vérifier la cuisson. Normalement, c'est bientôt prêt, attention. On va bientôt détacher. Hop! On sort la brochette, comme ça, ça crame pas. Des trois petits trucs à couper. Bonjour, messieurs, dames. Bienvenue à vous. Oh! Comment tu t'appelles déjà? Oak Moustique. Ah, oh, j'arrive pas à voir ton pseudo en entier. L'unique moustique. Ah oui, c'est ça. L'unique moustique, régale-toi, bien sûr. Hein. Savourez. Savourez, savourez. Qu'est-ce que vous avez pris? Vous avez pas pris le donneur? Ok, vous avez. Il est bientôt en rupture de steak, anyway. Ah! J'ai plus rien! Ok. Simple kebab. Oh mince, j'ai oublié de mettre du sel et du poivre. Merde. J'ai oublié d'assaisonner. Je pensais que je l'avais fait. Je l'ai pas fait. Voilà. Régalez-vous, messieurs, dames. Régalez-vous. Est-ce que celui-là, il est pas assaisonné? Après, je peux pas faire grand-chose, je crois, que s'il est pas assaisonné, parce que... Ah, si, attends. Ah, je peux assaisonner le truc maintenant. Ok. Déjà. Attendez. Vous allez très vite là. Ah, c'est le donneur qui a plus. Ah, vous prenez que le donneur. Ah. D'accord. Vous prenez que le donneur. Ah ouais, et vous croyez que je suis pas capable de tenir la cadence? Bien sûr que si. Bien sûr que si, je suis capable. 2. 3. 4. Et 5. Hop. Hop. Et hop. Ça, je le détache, je le pose là. Ça, hop, ici. Ça, hop, ici. On coupe la patate. On coupe la tomate. Tryhardeuse. La tomate. Hop. Schlack. Boum, bim, ah, tac, donneur. Allez, prenez le donneur. Voilà, voilà, mangez, venez, vous savez quoi? Venez, venez tous. Moi, je vous accueille, y'a pas de souci. Moi, je sais vous servir. Vous ne serez jamais trop nombreux. Ah, mais y'a déjà plus de donneur. Ah, y'a plus de patates. Non.
Non, non. Il y a déjà plus de patates. Il y a plus de donneurs de cons. Soyez pas trop nombreux non plus, hein. Je vais aller acheter des patates. Il me manque quoi d'autre? Des tomates. Oh purée, vous êtes tellement nombreux. La méthode sans légumes. Ah oui, la méthode sans légumes, c'est vrai. Mais j'ai envie de donner des bons plats à mes clients. Allez, donnez-moi ça. Vite. Vite! Oh là là, j'ai 30 000 dollars. On va sans doute pouvoir s'acheter le nouveau restaurant juste là-bas. Grâce à vous, messieurs, dames. Grâce à vous. Niveau 20. La méthode sans légumes. On y va. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il n'y a plus rien là. Il n'y a plus de plat. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Je vais vous mettre un petit plat sans légumes, les amis. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est en attendant. Hein. C'est pour tempo. Vous comprenez bien. Oh, baking. Oh, c'est vrai. Ah, il est mal fait, mon truc. Merde. Je vais mettre ça à cuire. Et j'ai plus de green pepper. Ah, oh, j'ai plus de green pepper. Oh là là, j'ai tellement pas assez d'ingrédients. C'est le bazar. C'est le bazar dans cette cuisine. Putain, si Philippe voyait ça, il serait vraiment pas content, là. Je range les brochettes. Hop. Il me reste de la potato. Il me reste de la tomato. Un kebab sans cuisson, sans légumes, sans saveur. N'hésitez pas, bien sûr. Oh là là. Ah mince, j'ai cramé la viande. Je l'ai un peu cramé. Bon, c'est pas grave, hein. Allez, je vous donne de la brochette là. Voilà, régalez-vous, messieurs dames. Alors, il m'en reste des choses à manger. Venez. Venez les copains. J'ai plus de green pepper, mais c'est l'hécatombe. J'ai plus de green pepper. Green paper. 1, 2, 3, 4 et 5. A dream. Tac, c'est en train de cuire, nickel. On va aller récupérer la viande ici en attendant. Vous inquiétez pas, je charbonne comme je n'ai jamais charbonné, hein. Ça c'est cuit. Et ça c'est cuit aussi. On va couper les deux trucs et on va pas mettre de green paper, c'est pas grave. Hop! Tac, t'inquiète pas mon pote, tu vas avoir ton petit kebab là. Tu vas avoir ton petit donneur. Voilà, régalez-vous. T'inquiète. Vous inquiétez pas, 34 000 dollars, je vais être riche. Je vais être riche. Sans hygiène, sans saveur, sans cuisson, sans pain, sans salade, sans tomate. Venez manger mon kebab. Ah non, les viandes sont plus alignées. Non mais ça c'est pour les premiers clients. Après, pour les autres, je préfère me préserver. On va notamment récupérer les déchets qui sont au sol. Oh là là, mais il faut tout le temps que je fasse des courses. Écoutez-moi bien. Écoutez, hein. Je crois que je vais remplir les étages de trucs là. J'ai pas assez d'ingrédients. À chaque fois, il m'en manque. Je vais faire une armée d'ingrédients. Le beurre, on s'en fout, on le met là. Voilà, le lait aussi, on s'en fout. J'ai envie de faire une armée d'ingrédients carrément. Ouais non, c'est bon, normalement il y a de quoi, hein. Là on est dans la soirée et tout, je vais aller acheter des trucs. Ce soir tu claques tout au blackjack. Oh non non non, non je peux pas. Par contre je peux... Ah non 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 non. Non, imaginez je claque 10 000 et je gagne le double. C'est une folie quand même, on va essayer. On va essayer. Ok. Bon. On va ranger les légumes qui me restent. J'avais racheté là exprès. Hop, les petites patates. J'ai perdu la recette du jour, 4 jours d'affilée, en me disant ça. Attends quoi?
Non, non, mais c'est pas grave, il n'y a plus de plats, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Si je coupe, attends, qu'est-ce qui se passe si je l'éteins et que je le garde? Attends, est-ce que si je l'éteins, je peux pas le sortir? Je crois que je vais le couper parce que du coup je vais le gâcher si je le laisse là. Je vais faire un plat spécial. Dernière tranche de donneur, voilà. Regarde, tu vas être content de manger, c'est le plat d'un chien ça, regarde. Hop, un peu de viande. Est-ce qu'il est content de manger ça, vous pensez? Mmh, de la viande. Mmh. Le mec arrive, évidemment, il va prendre un donneur. Ah, voilà, là tu sais me parler. Voilà, tu vas pas prendre de la brochette alors que j'en ai plus, notamment. Hop, tac. On range les squawers. Putain, il y en a pile poil assez, nickel. Bah, je vais couper ce truc. Hein. On va pas utiliser l'électricité pour rien. Je vais payer. Je vais payer mes dettes. Electricity, évidemment. Et puis voilà. On va aller acheter, de la viande comme ça. On va aller acheter... du green pepper, du garlic, et ce sera tout. Ah, je pense que j'ai bien envie d'essayer Eldiverse 2, là. Je le vois un peu partout en ce moment. Ça a l'air stylé. Alors, le... regardez-moi bien. Ok. Ensuite. Voilà. J'en ai marre de faire des allers-retours juste pour acheter deux ingrédients, là. Hmm. 15 green pepper. Et si j'en ai pas assez? Eh ben attention. Rajoute les soupes, on t'en prendra 30 en un jour. The dream. Je me fais carry par mon stream, j'adore. Je vais les ranger où les 15 trucs de con là? Non, parce que. Il y en a quoi? Des green pepper. Du coup. Oh, le frigo de. Le frigo de dingue là. Et je les mélange avec les garlics, voilà, j'en ai plus rien à faire. Nickel! Oui, Arnold, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me veut, lui, encore? Oui, Arnold, je t'écoute. Bon, alors, tu veux de la soupe? Tu veux de la soupe, c'est ça, Arnold? La chicken soup, on va faire ça. Ferry Sota, merci beaucoup pour le sub de niveau 1. Bienvenue dans le gang des subs, let's go. On peut mettre des petits anneaux subs. Super. Bienvenue à toi, merci beaucoup, bienvenue. Tu viendras manger dans mon fabuleux restaurant, hein. Il faut que j'aille acheter du bouillon de cube et du beurre. Du bouillon de cube et du beurre, de ce que j'ai compris. Chicken broth. C'est quoi ça, hein? Chicken broth. Cook pouch. Et du beurre. Voilà. Bonjour monsieur, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Maintenant que je suis là. Non, franchement, j'ai acheté toutes les épices possibles et inimaginables. Il me faudra peut-être du lait aussi, donc je vais en racheter ici. Et je vais acheter du citron aussi, au magasin. Bon, si c'est pas bouillon, bah j'imagine, ouais. Tous les streamers ont le même casque audio. Ouais, moi ça fait longtemps que je l'ai. Effectivement,
J'avais copié je sais plus qui l'avait. Mais c'est vrai qu'on a tous le même. Je suis bien d'accord. On est tous un peu des moutons, en fait. C'est ça que t'essayes de nous dire? Bah, je suis un peu d'accord. On est tous les mêmes, en fait. Les petites chèvres, là. Attends, mais... Ah, voilà. Encore du beurre. Mais c'est pas vrai, c'est pas du tout pratique à poser quelque part, ça. Du lait. Milk bottle. Milk bottle. Ok, donc je vous explique. Pourquoi est-ce qu'on veut faire de la soupe de poulet? Parce que comme quelqu'un l'a dit dans le chat, il faut faire de la soupe de poulet pour pouvoir inviter un chef qui va nous donner de nouvelles recettes et de nouvelles choses. Donc nous, ce qu'on veut, c'est avoir une cuisine full équipée. Donc on a grave envie... On a grave envie de débloquer ça, quoi. Ouais, tout à fait. Le cookpot. Il me faut du citron. Mais vous savez quoi, le citron, j'irai à la limite demain en acheter sur le chemin. Bisous, bonne soirée. Hop là, hop, je ferme le magasin. J'irai en acheter demain. On va faire un truc pour la science. Non, on va pas le faire le truc sur... Non, je pourrais pas poser le carton. J'irai en acheter demain sur le chemin, les amis, là. Moment décisif. Je vais aller... Essayer de miser mes sous pour potentiellement pouvoir peut-être hein, m'acheter presque mon nouveau local. Alors du coup ça correspond à 6000. 6000 comme ça direct. Je me chauffe même pas, je m'en fous. Allez. 6. 16. Oh non, 16. Oh non, le 16. Ah Pff, en plus de ça, il a un roi. Oh non, le 16. Oh le 16. Les amis, c'est à vous de décider là. On va faire un sondage. Kiki, tu peux faire un sondage? Je hit ou je stay? Est-ce que je tire une carte ou est-ce que je stay? Ah, le 16, c'est horrible. Non, mais de toute façon, si je stay, je vais perdre dans tous les cas, là. Attends. Non. Non. Merde. Je suis deg. Ah non, on fait une erreur une fois mais pas deux, hein. Oh, vous vous rendez compte, j'ai perdu 7000 et j'ai dépensé 6000 en blackjack. Ah, c'est vraiment un jeu de... C'est vraiment un jeu de filou, hein. Mince, alors. Oh, on a débloqué des nouveaux plats. Ok, je vais aller acheter du citron. Je vais acheter du lemon. Il y a un truc qui me cache la vue, là, de mon écran. J'arrive pas à savoir ce qui se passe, là. Aya, elle est en train de... Elle veut faire ça. Elle est en train de faire ça. Sa toilette sur ma Go XLR, là. Si elle a des petits problèmes de son, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas vous qui buguez, c'est le mieux. C'est quoi ce chat, là? Tu veux être streameuse? Tu veux streamer? Hein? Oui? Regarde. Ah, rien. Regarde là. Là.
T'en fais voir? Je vais montrer un oiseau là. Mais on a trop envie de dégommer l'oiseau, mais c'est quoi ça? L'oiseau est trop réaliste. C'est la trigger, elle est en mode ah, c'est quoi cet oiseau là? Oh là là. C'est quoi cet oiseau? De con? Il veut quoi? Vas-y, tape le monsieur. Tape! Oh! Tape là! Là, là! Vas-y! Bon, c'est pas demain qu'elle va me défendre dans la rue, quoi. C'est bien ça que je comprends. Bonjour Nathalie! Salut! Salut Arnold! Bonsoir! J'ai ramené des petits citrons. Trop mimi! Pour faire de la soupe. Vous êtes en train de dire que j'ai jamais été joueuse pro sur Overwatch? Vous êtes des menteurs, j'ai déjà été joueuse professionnelle. Je suis une professionnelle! Elle a attaqué les gens dans la rue. Ah, je vous jure, elle a trop le seum, elle est en mode mais... Mais je comprends pas. Elle a trop le seum! Là, elle va taper mon écran qui coûte cher, je vais avoir le seum par contre. Ouais. D'accord. D'accord. On parle là-dessus. Attends, parce que là tu bouges mon écran quand même, hein. Débile, hein. Complètement débile ce chat. Je sais pas ce qu'elle veut. Oh là là, elle bouge complètement mon setup. Mais Aria, mon chat. Ça suffit. Mon chat, mais c'est comme le monde extérieur, il y a une vitre. Il y a une vitre. Je peux pas les attaquer. Je peux pas attaquer le monsieur là qui vient de passer, non. Lui non plus. Oh, mais elle attaque les gens qui sont là. Regarde. Ah, regarde ma souris. Et hop. Non, en vrai, de base, elle regardait les gens qui se baladent, mais là, du coup, qu'elle a spoté ma souris, elle va la regarder, je pense. Oh, il y a tellement de décorations que je pourrais faire. Oh là là. Ok, ça peut être sympa, hein. Un peu de décoration. Un peu de decoration. C'est le stream d'Aria, maintenant. Ah, qu'est-ce que tu fais, mon petit chat? Qu'est-ce que tu regardes? Oh, nano, you know. Nena, nino. Na 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 na. Ma fille est sur mon câble de souris là. Voilà. Non, oh, vous avez vu, il y a des styles et tout de peinture là, c'est ouf. Oh comment c'est génial. Je vais tout repeindre avec cette tapisserie. Ce sera super dur de faire avec, mais je pense qu'on peut faire un kebab ultra stylé en fait. C'est quoi ça? Wooden Service Counter. Your dishes get ready to serve.
Place the dish on the table. Select which recipe it represents. Attends. Ah! Ah, c'est le même que l'autre, mais en mieux. Mais en plus stylé, d'accord. D'accord. Ah, ok. Moi, elle est trop investie. Ah non, mais c'est un truc de fou. Hein. Elle est à fond, là. Ah, voilà, c'est ça que je voulais acheter. C'est ce truc. Parce que j'en ai pas, là. Pour le cookpot. J'ai hâte de me faire une cuisine ultra stylée avec plein de trucs partout, là. Ça va être cool. Hop, ok. Alors, niveau menu, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire une chicken soup avec, bien sûr, le donneur et... je pense qu'on peut faire, par exemple... On peut faire le hot dog, OMG. Pas tout de suite, du coup, mais dans l'idée, on peut peut-être faire, par exemple, le simple kebab. Hein. Moi, je pense qu'on est bon. Oh là là, 500 $ par menu kebab, là. Wow. Oh, c'est tellement rentable. C'est tellement cher. Double soupe. Bah, j'ai pas double cookpot, donc je pense que je vais rester sur une simple soupe. Ok. Alors, chicken breast, 2. Water, 1,20 L. Donc, on va chercher à... Ok. Chicken steak skewer. Ah, x8 ? Non. Quoi ? Attends, c'est quoi chicken skewer ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Chicken skewer. Eh, 500 balles le kebab, là, on est plus sur... on est sur du luxe, là. Ah, brochette de poulet ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je vous filme le minou, quand même, parce que... Elle joue au jeu, aussi. C'est toi qui as trié tes frigos ? Oui ! C'est moi qui les ai posés tous un par un, là, les légumes et les trucs. Brochette de poulet ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, alors ? Chicken skewer. x8. Comment je fais un chicken skewer ? Peut-être qu'il faut que je... Tail fat ? Bah non, je crois pas. Attends. Je vais aller chercher et voir la boucherie. Elle va développer des problèmes parce que... Vous savez, les minous, quand ils peuvent pas attraper un truc qu'ils voient, ça les perturbe après. Elle a voulu attraper la porte. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce chat-là ? Chicken skewer, mais je sais pas où est-ce que je peux acheter ça, où est-ce que je peux le faire en fait. Une brochette de poulet. x8. Ça marche pas si je coupe ça. Tail fat, chicken skewer. Ah non, ça marche pas. Bah non, pas du tout. Bah là, je suis un peu bloquée, je sais pas quoi... Du coup, c'est quoi ce chicken skewer ? Si vous savez, n'hésitez pas à me dire, j'accepte... J'accepte le backseat. Une brochette de poulet. C'est un peu vague, en fait. J'imagine que c'est peut-être ça. Ils me disent pas comment... ça donne quoi quand je coupe ça? D'accord, est-ce que je peux faire une brochette de ça et genre je le mets là? Bah non, ça me paraît bizarre. Tail fat, c'est pas la bonne viande, je pense. Un chicken beast. Bah ouais, mais... Ah, chicken skewers, allez, ils sont là. Bien joué, la team. Quelle perspicacité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces petits chicken trucs, là? Fat piece. Ah, la viande hachée, là, on va faire ça. On va aller acheter du...
Alors, on a des trucs à acheter. Hein. Alors attends, j'ai de la pomme de terre. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui? Attends. Menu. Ouais, simple kebab d'honneur et chicken soup. Ok. Bon, Arnold sort de cette pièce, il n'y a rien qui se passe dans cette pièce. Il est complètement à la ramasse, ce petit Arnold. Ok, je vais acheter de la viande, du chicken breast, parce que j'en ai peut-être plus. J'en achète deux, hop. Moins 600, c'est ok. Je l'ai vu quand il a mis dans le four. Dans le four? Ah oui, dans le four, oui. Dans l'espèce de petit grill, là, le truc moche. Oui, ok. Ribeye, alors je vais le mettre là-dessus, je pense. Ah, je vais le couper d'abord. Nickel. Hop. J'adore cette machine, je suis trop contente de l'avoir. On va encore la couper en deux et on va prendre un morceau pour faire encore un kebab. Je pense que ça nous tiendra toute la journée, en vrai de vrai. En vrai de vrai, je vous dis ça. Hop. À de tout, cookpot. Donc là, il faut que j'en ajoute 8. Oh là, laisse tomber. Hop. Tac. Fois 3 et il faut 8. Hop. Je vais couper ça, puis je vais mettre direct dedans, comme ça sera 4. Lemon slice. x2, on met ça là-dedans, on prend de lemon. Putain, c'est la première fois que je cuisine un lemon slice. Il va me couper ça en combien de parts? Oh, 2, super. On dirait presque que c'est écrit, et là ça va être 15. Allez, voilà, parfait, il y a pile poil la quantité qu'il faut. Hop, nickel, boil. Ok, ben, je pourrais faire ça en début de service. Ah, nickel. Hop, et il faut que je réalise aussi le truc pour le kebab là. Absolument. Et je me souviens plus de la recette, donc on va aller la chercher. Simple kebab. Alors qu'est-ce qu'il me faut? Black pepper, salt, ribeye, telfat. Ok, c'est bon. Garlic et green pepper. Ça, c'est bon. J'ai du stock. J'ai tout acheté la dernière fois. Laisse tomber. La salle du fond, c'est censé être une salle froide ou c'est les toilettes dans le kebab? Je crois que tout ce qui est hygiène, mode de vie des gens et tout, je crois qu'on s'en fout. Je crois que c'est pour le froid, ouais. C'est peut-être censé être une chambre froide, effectivement. Je ne l'utilise pas. Voilà. Je ne l'utilise pas. Tail fat, mixed meat. x4, tac-tac, squaver, nanan, ok. Donc. Hop. On a rajouté un autre. Ah non, on peut pas. Bonjour mademoiselle. Ça va? On m'a bavé dessus. Elles sont encore couchées sur mon Wixler. Si vous avez un petit problème de son, c'est normal. N'hésitez pas à me le dire. Ok. Et je vais rajouter ces 4 petites pièces. Normalement, elles sont compactées, mais là, je les ai dépactées, donc c'est pas très pratique. Ok, et normalement, là, on peut faire des brochettes de trucs. Hop. Tac. Et j'aime trop faire ça, moi. Faire les trucs que je sais faire et tout en boucle, j'adore. C'est grave agréable. Et c'est... Quel boulot. Quel boulot. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas prendre les ingrédients directement depuis là, parce que là, sinon, ça... c'est tellement peu pratique. Hop.
Tac. Je crois que j'ai pas pris assez de skewer après. Hein. Ah non, si, ça va. J'ai l'armée de skewer derrière. Donc, tomates, patates, green pepper. On met du green pepper partout. Nous, on adore ça. Donc ça, c'est l'accompagnement au donneur. Si jamais on a le temps d'en faire, et si on n'a pas le temps, on n'en fait pas, c'est pas grave. Tac, tac, tac. Oh non. Oh mince. Allô? Ça bug. Non mais... On me marche sur la tête. Ça bug, on est d'accord. Allô? Oh, mais merde alors! J'ai vraiment plus la place de jouer là, hein? C'est un peu embêtant, tout de même. Bon, les amis, tenez-vous prêts à rejoindre mon restaurant. Je vais juste allumer le feu, puis normalement ce sera bon, hein? Attention à vous, attention à vous. Vous êtes prêts? Choisissez le menu de votre choix, je n'ai pas peur de vous, je n'ai pas peur. On met ça. Attends, je l'ai mal mis. On met ça. Ah ! Ah non ! J'ai pris un green pepper. Séparément du reste. Et je prends ça. En train de me lécher les doigts. Oh ! Dégoûte. Me dégoûte. Bah franchement les affaires marchent super bien là, c'est un truc de ouf en fait. Il y a tellement de hype autour de mon kebab, je vous jure, je m'y attendais pas. Les gens viennent, sont super heureux. Non franchement, je suis assez choquée de la réussite de ce kebab. Bam. Ça, c'est le simple kebab. El classico. Ça, c'est pour les petits morceaux de viande que vous voyez juste ici. Ça, on va le dégager là-bas. On prend le couteau, on coupe. 2, 3, 4 et 5. On pose le couteau et on pose les petits bouts de viande. Bien sûr, vous me connaissez, je suis généreuse au niveau des viandes. Hop là, on vient me poser ça d'honneur, ça fait toujours plaisir. Et la soupe, on prend un bol creux, aria. Pas le percer du mauvais côté, attention. Et on sert la soupe. Ah voilà, ça c'est bon, allez venez. Entrez dans mon restaurant. Entrez dans mon restaurant. Je vous en prie. Hop. Ok, j'ai la place. J'ai plus de place. Pour le tryhard. Bienvenue, chers viewers. Bienvenue, chers viewers. Installez-vous confortablement. Venez manger mes petits plats. Mes petits plats les plus délicieux de la région, bien sûr. Hop. Venez manger, venez manger. Une soupe, un kebab. Et n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Oh, oh, oh. Cette boîte commence à me manquiquiner, là. Ok. On coupe le garlic, on coupe la tomate, on coupe la pomme de terre, on connaît la chanson. Pourquoi il y a beaucoup de soupe là? Enfin, prenez de la soupe maintenant, c'est nouveau ça. Ah bah c'est nouveau ça.
Ok, il reste encore du donneur. C'est nouveau la soupe, tiens. Vous savez que c'est très facile à faire la soupe. C'est The Dream. The Dream que vous preniez la soupe. Hop là! Avec plaisir. Avec plaisir, mes chers viewers. Et viewers. Hop. N'hésitez pas à prendre tous les plats possibles et inimaginables. Hein. Je peux tout vous servir, donc il n'y a pas de souci. C'est un peu buggé cette assiette. Là. Il n'y a plus de soupe déjà. Ah. Qui c'est qui grogne là? C'est pas possible. Ah, c'est le grogne. Enfin, qui c'est qui grogne? Ça grogne. Vous grognez, bah d'abord. Alors, ça grogne. Ah, enfin, il n'y a plus de donneur. Je vais peut-être le remettre un peu sur le feu, là. Vite fait, voilà. Ah, c'est un peu froid, ouais, effectivement. Mais régalez-vous, venez, venez dans mon restaurant, installez-vous. Ouais, je crois que j'ai débloqué le prochain perso, là, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Bonjour à ma cuisse. Oh, tonton Kalem, toujours là. Nomis GG. Pierre Storm, bienvenue. Bienvenue à tous. Tamakui, toujours là. Alors là, il y a beaucoup de gens qui sont entassés. Donc n'hésitez surtout pas à avancer dans le restaurant. Hein. Normalement, il y en aura pour tout le monde. Rassurez-vous. Et si je mets ça là? Ah, ça cuit, hein. C'est un truc de ouf. Alors, qu'est-ce qui manque? Oh, super. Un petit kebab. Génial. Oh, putain. Il est plus chaud, le truc. Chicken soup. Il y en a bientôt plus. C'est ça qui est génial avec la soupe, c'est que tu fais un plat, puis t'en as pour 4 soupes. Il faut que j'en refasse, du coup. Ne vous inquiétez pas, il y en aura toujours pour tout le monde. Rassurez-vous, j'ai acheté suffisamment de trucs. Alors, 1 litre 20, nickel. Attends, je vais faire cuire l'eau toute seule. On va mettre juste ça. Tac. On va mettre, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chicken skewer. On va mettre du chicken breast. On coupe rapidement le chicken breast. Boum. Hop. Lemon slice, un peu de lemon. Un peu de lemon dans cette soupe. Oui, monsieur. J'en veux bien. Et je crois que c'est tout après. Je peux la mettre à cuire. Et voilà. Oh là 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 là, j'ai combien de thunes? 38 000. Je suis en train de rattraper tout l'argent que j'ai perdu hier soir, donc je suis très très contente. Il n'y a plus de kebab. Ah! Bah, je vais en refaire, il n'y a pas de souci. J'ai de quoi en refaire, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a besoin de soupe ici? Ah, oh, personne ne vient manger de la soupe. The non-dream. Hop. Ah, mais il en reste. Oh, waouh, il en reste. Ok, bah vous pouvez venir manger de la soupe si vous le souhaitez. Eh, franchement, 40 000, hein. Oh, on a bientôt 50 000 de dollars. Dollars. Putain, les bruitages à chaque fois, c'est quelque chose. Ok, ok. Comme ça, hop. Simple kebab. En toute... vous avez vu comme je suis... Simple mais kebab. On n'est pas dans la démonstration. Nous, on est simple. D'accord? On est efficace. Il y a de la soupe, mon cher monsieur. N'hésitez pas. Vous n'êtes vraiment pas obligé de me venir me coller comme ça. Soupe. Ah, elle est à 53% de chaleur.
Attends, c'est quoi ça? Attends. Attends, mais il y avait un item incroyable. Oh. Et pourquoi il a un ours en peluche dans la main? Mais qu'est-ce que c'est? Il est passé où l'ours en peluche? Non. Quel dommage. En tout bien, tout honneur. En toute... On est modeste, d'accord? La modestie avant tout. Il va falloir arrêter de vouloir du donneur. Là, j'ai plus... Prends du simple kebab, là. J'ai plus de donneur. Prenez du simple kebab, messieurs, dames. Régalez-vous avec cette simplicité. Après, je pourrais faire le donneur en soi, parce que c'est vrai qu'il me reste pas mal de viande. Ah, mais en plus, c'est vrai qu'il suffit juste d'avoir de la viande pour le donneur. Attends. Attends. Ouais. Vas-y, mange ton petit, ta petite viande. Ça a l'air super bon, ta viande, là. Il mange de la viande tout seul, il est content. C'est bien. Super. Waouh. Oui, il n'y a plus de kebab là. Ah, en plus, ça chauffe plus. Voilà, là, je suis foutue. Hein. Il me reste encore plein de soupe si vous voulez de la soupe. Hein. C'était pas avec la soupe. Hein. La soupe, vraiment, c'est super bon en plus pour la santé. Donc, n'hésitez pas, messieurs, dames. Effectivement, je crois que j'ai débloqué le prochain perso, du coup. The Dream Slay. Merci pour le slay, messieurs, dames. En fait, la réalité, c'est quoi? C'est que vous êtes en train de me boost vers l'infini et l'au-delà sur ce jeu. Je suis en train de devenir richissime grâce à vous. Richissime. Oh, c'est quoi ça? J'ai failli oublier le poulet sur le côté. Et puis j'allais avoir un truc à payer en plus, encore une fois, parce que j'ai oublié un bout de viande sur le côté de la route. À un moment donné, ça suffit. À un moment donné, je te le dis, ça suffit. Tu vas acheter l'autre bâtiment pour 50 000, c'est mon objectif, effectivement. Hé, hey, Nomis, c'est mon objectif, t'inquiète. J'ai pas besoin de prendre un prêt. Moi, un prêt? Non. J'ai 43 000 dollars. Crois-moi que je vais d'être ça, sans prendre de prêt. En même temps, je fais toujours les mêmes plats et ça me rapporte 500 par plat maintenant, donc c'est the dream. En fait, au plus tu maîtrises un plat, au plus il va être payé cher, donc c'est trop bien. Ah, il y a plus de viande. Ouais, mais en même temps, c'est un peu galère votre viande là. Prenez de la soupe, monsieur. C'est bon pour la santé. Prenez de la soupe, mes chers monsieur. Et toi, tu prends de la soupe, t'arrives, tu prends de la soupe. Lui, il a une tête à prendre de la soupe. Oh putain. Bon. 44 000 dollars, écoutez-moi bien, j'adore les chiffres ronds. 44 000, c'est pas assez rond pour moi, donc... Donc, on va régler cette histoire. On va régler ce problème. 500 dollars de kebab. Oui, c'est un peu abusé. Ok. Voilà. Nickel. Alors. 10, 20. Bah écoute, je stay, hein. Voilà. Non, mais c'est truqué. Il y a un problème dans les réglages du jeu, là. C'est truqué. Bon.
Il fallait manger de la soupe, monsieur. Voilà, vous seriez content si vous aviez mangé de la soupe. Bon, bah écoutez, Arnold, Nathalie, je vous laisse pour cette soirée. Félicitations, c'était une journée très très efficace. Je vais me permettre de mettre le petit truc de soupe dans le frigo, histoire de garder ça au chaud, de garder ça au frais. On va fermer la porte et on va détacher ce truc et on va le jeter. Ah non, on va le mettre au frigo, bien sûr, puisqu'on ne jette rien chez nous. Je peux finir la journée ? Oui, je pense. End the day. Voilà. Nickel. Oh, 41 dishes. C'est bien. Nous sommes très efficaces en ce moment, Arnold et Nathalie. Nous sommes très efficaces. Aujourd'hui, les amis, j'ai envie de prendre du temps un petit peu pour redécorer l'intérieur, là. Parce qu'on a de la thune. Ah, quoique. Ouais. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un petit peu de la déco si on peut avoir l'autre bâtiment à un moment donné, là ? Je vais peut-être économiser de ouf, hein. Ouais, il faut que j'économise. Non mais c'est truqué, c'est truqué. Il faut que j'économise de la thune. Mais le problème c'est que là, Arnold, mon cher Arnold, le problème c'est que j'ai comme un malaise. Je ressens comme un malaise à ta vue. Donc j'ai un peu de mal d'économiser là. J'ai envie d'expier ce malaise en décorant là. Attends. Oh, il y a des trucs tellement cool qui pourraient me rapporter plus de thunes. Qui existent. C'est ça le truc. Station. Ok. Outdoors. Mm-hmm. Stand. Scene board. Est-ce que je peux changer? Il y a des trucs plus stylés, je pense, maintenant. Oh, lui, il est plus stylé quand même, hein, que l'autre. Ah, ouais. Celle. Voilà. Ah, celui-là, il est stylé. Ça, c'est cool. Ok. Décoration. Moi, je veux de la plante, hein. Je veux de la plantation. Je veux être dans un endroit coloré, chaleureux. Mimi, quoi. Mimiland. Peut-être pas avec ça du coup, hein. Un peu déprimant cette décoration. Non mais ça c'est super random, ça me fait trop rire. Il y a genre un toilette. Ah, il y a des WC et tout, waouh, la déco elle peut être ouf. Fais voir. Oriental carpet. Heureusement qu'il y a différentes couleurs, fais voir. Oh. Le rose. Ok, on peut mettre un petit tapis là comme ça. Ok, putain, 1000 balles, ça coûte une blinde. Oh, ça coûte tellement cher. Et où tellement cher. Il y a vraiment un truc pour faire des toilettes, on dirait. Salut, après tu avais 15, t'as tiré alors qu'il y avait 8. Non mais Flios, après, moi je suis pas une joueuse de... on fait ça pour rire, hein, y a pas de... Tranquille, tranquille, hein. Pas de soucis, quoi. J'ai pas pour objectif de devenir professionnel au blackjack. Au contraire. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme décoration? Oh, le vieux téléviseur The Dream. Nanani. Nanani. C'est un peu moche, non? C'est un peu hors sujet, là. On peut pas le rotate? Ah, si. C'est un peu hors sujet, j'ai l'impression. Mais j'aime bien quand c'est hors sujet. Non, c'est trop moche. Si tu mets un toilette au fond, ils vont passer dans la cuisine, les clients. Peut-être. Peut-être. Tu veux essayer? On peut essayer, hein. De toilette comme ça, là. Allez, vas-y. On va essayer. On va mettre un petit toilette ici, là. Attends. Faut que j'ouvre la porte. Kebab au feu de bois. Franchement, je suis sûre que ça se vend de ouf. Avec une bonne com et tout, laisse tomber. Oh putain, il y a un truc rouge et tout. Waouh, c'est tellement plus stylé que ce que j'ai.
un peu moderne et tout. Wow, ça me donne envie de refaire toute ma cuisine. Mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Après, t'as vu, c'est dans le slide décoration, donc j'ose espérer que c'est juste de la déco et qu'ils vont pas vraiment venir chier dans ma cuisine, quoi. Pourquoi il y a des toilettes? C'est fou, ça. Ok. Ok, ok. Et franchement, on est à 36 000. Il nous manque à peine, en vrai, à peine 15 000 pour atteindre les 50, pour ouvrir le prochain restaurant. Je pense que ça peut se faire très très vite. On peut être très très efficace. Franchement, je pense en 2-3 streams, ça se fait. Nouveau restaurant, nouvelle décoration et tout. Je vais devenir millionnaire. Millionnaire sur ce jeu. Sur le jeu du Kebab Simulator Interact. Oh, je suis deg. J'ai cru que j'allais pouvoir rentrer. Oh, vous avez vu, on voit comme ça à l'intérieur, c'est tellement grand. Il va être tellement beau, ce nouveau magasin. Ouais, le old style sur l'autre salle là-bas, là. Ça, tu vois, je veux bien avoir un petit feu de camp avec un petit feu de bois et tout, ça peut être cool. Un petit salon de thé ou un frigo à boisson. Je vais garder pour l'instant, j'ai juste mis un vieux tapis, là. Avec des fleurs, waouh. J'ai mis un petit frigo ici. C'est pas très opti, mais je pense que je changerai ça pour la prochaine fois, en vrai. Si c'est la chambre froide, pas envie d'y aller au WC, c'est clair, c'est clair. C'est clair. Oh là là. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci, rentre. Écoutez, je pense qu'on va continuer ça le vendredi prochain. En toute sérénité, voilà. En toute sérénité. Je suis un peu KO là, donc je pense que je vais cut ici. Mais c'était très cool aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié mes petits kebabs. On a bien avancé, on a make the money. La prochaine fois, je pense qu'on pourra s'acheter le gros restaurant là, ça va être stylé. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Il faudrait voir si je peux le faire en VR, parce que j'en ai parlé avec mes darons et mon frère. Et genre, il était en mode, bah peut-être que tu peux le faire en VR ce jeu, parce qu'il est quand même très très simple. Et voilà, je me suis posé la question, faudrait que je me renseigne. Mais voilà, écoutez, les copains, c'est là-dessus que je vous laisse, je pense. Je vais aller manger.